mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue, nous sommes le mercredi 9 mars 2016, j'espère que vous allez bien, les midi ici, je suis Click, vous êtes les viewers, nous sommes ensemble jusqu'à 15h, semaine spéciale The Division, attention, Euro 30 divisé par 2. 15. Ok, c'est bon, ça va, tu peux gérer, tu peux rester, non c'est bien, c'est pas bon, hein. C'est une estimation. Attention, si, deuxième cas de figure Euro, si on prend toute la population de New York et on divise tout le monde à coups de balle dans la gueule, combien il en reste? On essaie d'en tuer le moins possible. Non, mauvais. Vous pouvez plus, monsieur. Vous pouvez plus jouer à The Division. Non, zéro. Zéro. Il reste que toi. Et en gros, t'as plus qu'à te palucher le bon. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le mec qui part en couille à midi 5. Au programme aujourd'hui de votre web TV à 15h, vous retrouverez Karaté sur Dark Souls et à 19h. Meurs pas sans ton pif by Ken Bogard. Nous nous retrouverons à 21h sur ma chaîne perso pour du The Division spécial Dark Zone. On ira visiter la Dark Zone. On sera à peu près entre le level 15 et le level 20. Ça sera assez sympa. On va se marier. Il y aura notamment Oro qui sera présent avec moi. Le gob, je crois, il y aura un peu de monde, on sera un petit groupe de 4, de toute façon on peut faire ça qu'à 4, hein, puisque Ubisoft a décidé que sur l'ensemble de ces jeux il n'y avait plus la cinquième personne, ce qui avait été annoncé comme une magnifique technologie mais qui n'a pas lieu, voyez. Bon, sinon vous avez un chat, se trouve à droite du lecteur, on dit bonjour sur le chat notamment à Seber, à Dijor, à Dark Vador, à Nako, on dit bonjour à Oswatanes, à Clickly 971, on dit bonsoir à Koboj, on dit bonsoir à Kine. Oh, fils, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu, je t'ai envoyé en pension depuis. J'ai pas de nouvelles, il m'envoie des pigeons de temps en temps, mais déjà cuit. Et donc la lettre a fondu, vous voyez, c'est un peu sûr. Voilà, pour m'accompagner aujourd'hui, Oro, bonjour. Bonjour, bonjour. Salut pupute. Salut. Et salut poupoutre. Bonjour. Ah, on est bien. Bon, hier on a commencé l'aventure, on en a fait hier soir en live, etc. Alors on est que deux aujourd'hui parce que les deux thugs de Muzaren et Nijdan. Non, mais bah, je vous dis, là c'est vraiment les deux débiles, hein, les débilos. Hein. Vous pouvez sur le chat, je vous autorise à dire, je cite, hein, la modération ne vous punira pas normalement, je cite, Muzaren and Nijdou égale Thug Forever. Vous pouvez leur tweeter aussi à ces deux thugs parce que sachez que de ce fait-là, ils ont farm toute la nuit. Ce qui est débile. Parce que normalement on fait les lives le midi, vous voyez. Bref, ils ne peuvent pas vivre, ils sont pas durs, ni sont nocturnes, vous voyez. Ce ne sont pas des rapaces, ce ne sont pas des nocturnes, des diurnes, ce sont des nocturnes. Donc résultat, ces débiles sont en train de dormir. Ils n'ont pas vu l'heure. Et ils vont se réveiller et à un moment donné, je vous parie ce que vous voulez, que dans le live, ils vont s'insérer et faire « Allô, bonjour !» Mais tout mignon, vous voyez, comme des débiles. Voilà, bref, voilà. Donc c'est Sammy égale Thug, Thug Forever, voilà. On le met, le chat est content. Thug Forever, voilà. Vous voyez, regardez. Voilà. Attention, regardez, vous êtes prêts? Attention, le premier. Attention, il va arriver. Regardez. Je viens de le voir se connecter. Regardez, attention. En mode... il va nous dire qu'il avait des trucs à faire ce matin. Pas. Oui, alors j'avais des trucs à faire, etc. Il va arriver tel quel. Voilà un des premiers thugs. Bon, un thug réveillé. Non, mais il n'est pas là. Bon, poney était malade, etc., etc., etc. Bon, bref. SMS. On s'en fout parce que c'est le temps, il vient juste d'allumer le PC. Hein. C'est le temps déjà qu'il se rappelle comment il s'appelle, Muzaren, et puis il va arriver. Un des premiers thugs est là. Le deuxième thug nous rejoindra peut-être. Bon, ce n'est pas très grave. À 15h peut-être. Bah peut-être, on ne sait pas. Mais c'est débile parce qu'ils veulent... Bref. Bon, alors, on est level 15. Je vous explique un peu où j'en suis. On va faire un petit point et on va aller aujourd'hui à Ekoro. Tiens, il y a Magritor dans le coin. On ira au pire des cas faire pas mal de trucs. Alors, je vous explique. Qu'est-ce qu'on a fait hier? On est arrivé, on a découvert de personnages. On a vu qu'on avait une base d'opération sur laquelle on a augmenté déjà pas mal de choses. Et je suis à 70% de la base médicale, 40% de la base technologique et 50% de la base sécurité. Donc ça, on va l'augmenter petit à petit. Ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que vous avez des zones, vous voyez, c'est écrit en haut à droite là avec ma souris qui passe d'ici. Ça, c'est Pennsylvania Plaza niveau 3-5. Et donc, vous allez continuer les zones. Donc, moi j'ai fait celle-ci, la Hudson Yard, j'ai fait l'entièreté de la zone. Puis à chaque fois, je vais donc dans une nouvelle zone comme Tenderloin que j'ai fait. Tu vas dans la planque, tu actives tes missions, il te donne tes missions, tu fais toutes tes missions et ta zone est terminée. Tu apex, c'est vachement bien. Donc, là, il va nous rester en termes de missions à monter. Donc, ici sur Times Square, on va faire ça. Tiens, Oro, ce que je te propose, on se fait Times Square. Je viens d'activer les missions de Times Square. On va faire Times Square et après, donc, Hell's Kitchen est faite, on fera Clinton, Hillary, on fera Hillary, level 14-15, et après, vous voyez, on pourra continuer les missions, donc à chaque fois, hein, dans les endroits, vous voyez qu'il y a des missions principales aussi qui rapportent des points pour la base, et après, on pourra continuer sur Flariton Distract, level 15-16, puis 16-18 sur Grammary, Keeps Bay 20-23, et on va monter comme ça. Alors, ce qui est extrêmement malin, vous voyez qu'il n'y a qu'une partie de Manhattan, et c'est là où tu sens bien le délire, c'est qu'en fait... Tout là-haut, ça sent le contenu qui arrive après.
Oui, à un moment donné, il va bien falloir sur ce jeu, sachant qu'on a vendu du Season Pass, pouvoir apporter du contenu. Donc là, pour l'instant, on va en level 30 en PVE, en Dark Zone, je crois, 50 levels. Et après, il va y avoir notamment des donjons HL, level 30. Mais je pense clairement que d'ici un mois et demi, deux mois, Ubisoft va nous dire, voilà, maintenant, vous pouvez monter level 50 et on va avoir plein de petites missions qui vont apparaître en haut. En tout cas, j'espère, peut-être je peux me tromper, mais ça semble DLC en tout cas. Je pense que c'est une chose importante de DLCiser. Donc, on va faire, avant de faire Jean-Claude, on va faire, avant de faire Clinton, on va faire Times Square, on va se faire tout notre petit secteur. Donc, dans l'idée, on est tous les deux à cette planque-là avec Oro. Et on va se faire toutes nos missions, tranquillement. Donc je pense qu'on va faire les missions du haut, on va descendre petit à petit, et après on va arriver, on finira je pense par la mission de Times Square, qui est la mission, mission qui va m'intéresser tout particulièrement. Alors on a une rencontre ici, hop, juste devant la DZ, et on va y aller. Alors je trouve juste la planque de Times Square est sûrement la plus stylée que j'ai jamais vue dans un ancien bar. Vous voyez, c'est hyper stylé, avec le feu, etc. Je trouve ça vraiment ultra, ultra, ultra stylé. Limite, t'as envie de faire une sieste. Que bois-vous par la cheminée ? Bah, j'en sais rien. Je crois que c'est une fausse cheminée, Michel. Tu sais, c'est des cheminées à gaz. Ouais, non, mais les cheminées... c'est l'apocalypse, ça. Il y a plus de gaz. Et bah... il y a du courant, mon gars. Et les tireuses, elles marchent encore ou pas ? Eh, je vous sers une petite mousse ? Ça vous tente ? Une petite mousse, vous voulez quoi ? J'ai plus rien, j'ai de l'eau. Regardez, j'ai de l'eau sale devant vous. Regardez, elle est bien dégueulasse. Ah, il y a une bouteille. Oui. C'est ma dernière bouteille. Et là, vous voyez. Oh putain, mais j'ai pas fait la vaisselle depuis longtemps. Oh, bah non, il y de la Dieu. Boue dans la bouteille. Eh, mon gars, c'est de la boue, hein, monsieur. C'est boue numéro 5 de chez T'es dans la merde. Alors, et j'ai pas fait la vaisselle depuis un bout de temps. J'ai, en fait, le problème, c'est que comment si je te sers. Le comptoir, là si tu, bah, je, il saute le comptoir. Tu sais quoi ? Si je te mets, en fait, là, l'histoire, je veux bien te couper un saucisson pour manger, tu sais, comme dans les bars. Le problème, c'est que vu que j'ai pas fait la vaisselle, il y a plus d'eau déjà que j'ai plus que l'eau boueuse. Je pense que t'es mort. Hein. Tu prends la diphtérie, la dysenterie, tu prends tout. Bah, viens, on y va. C'est parti à la guerre. Alors j'ai augmenté un peu mon stuff, j'ai notamment un AK-47 que j'ai modé un peu et un nouveau sniper qui tire un peu plus vite, qui est pratique. Je suis parti en full dégâts, je sais pas si toi t'as pris un peu de soin. Bah moi j'ai pas mal de vie mais mes compétences là, le ouais. des j'ai quasiment rien. Coup, alors je pour me soigne avec ma compétence. T'es qui toi ? C'est un monsieur. Ouais ouais, il a décidé de nous faire foncièrement chier. Hop là. On va y aller comme ça. J'ai activé une compétence qui fait que si avec ma mitraillette je tue quelqu'un, elle gagne 10% de temps supplémentaire. Elle tire plus longtemps. Ouais, tu sais, elle a une activation. Au niveau des armes, vous verrez, on refera le point au niveau des armes et des crafts. Comme d'hab, hein, les crafts, ça servira en HL. Alors vous pouvez le faire en attendant, hein, ça fait des trucs qui sont assez fun. Mais on active la JJJ. Vous lootez assez vite. Donc pour l'instant, le côté craft, en fait, vous pouvez le faire si vous en chiez. La DZ peut vous aider aussi, parce que vous avez normalement du meilleur stuff. Mais attends, j'ai flippé un coup là. C'est quoi le truc qui a explosé ? Je crois que Michel. Ah, c'est ma mitraillette. J'ai cru que t'avais niqué le clavier, moi. J'ai rien fait, moi. Bah, j'ai cru que t'avais tout niqué le cadran électrique. Je flippais un peu quand même. Alors, niveau XP, ce que vous conseille. Alors, solo, c'est là où ça XP le plus. Parce que vous avez moins de mobs, etc. Dès que vous êtes à 4, vous lootez beaucoup plus. Donc, le loot est vraiment intéressant. Ça arrive sur le côté. En fait, tu lootes beaucoup plus. Bonjour. Ah, on l'avait dit. Bonjour, Tug. Vous allez bien ? Ça va, pourquoi Tug ? Le chat vous a traité de Tug, sur ma demande, avec vous et Niejdan. Hein. Midi, vous avez vu l'heure ? Vous passerez à la compta. Mais... hein. Et là, alors il y a deux solutions. Ou il va me dire, on a farmé toute la nuit, ou il va me dire, non, ce matin j'avais des trucs importants à faire. Vas-y, à toi. On a farmé toute la nuit, mais... Et j'avais des trucs importants à faire. Non ? En fait, regarde, je t'explique. Non mais ça sent le truc fumeux, on dirait le mec qui est au lycée devant son CPE en mode je vous explique monsieur, je vous explique. C'est pas ce que vous croyez, mon kleps cette nuit, oui. C'est juste que ce matin tu vois, avec Nielsen on s'est dit attends, vas-y viens demain on la joue RP. Et vu que le jeu ça parle d'agent dormant, on s'est dit bah putain. Oh mais c'est nawak mais putain. Ah les branleurs, ah les branleurs. on se fait Times Square, nous, de ce fait, la Musa. Je disais donc niveau XP, ce qui est intéressant, en solo, on XP beaucoup plus. À 4, il y a beaucoup plus de loot, donc beaucoup plus de chances d'être stuffé rapidement, entre guillemets. Et je trouve, j'ai trouvé un compromis qui est intéressant, c'est à 2. Pour aller très vite dans l'émission et trouver un peu plus de stuff, 2 c'est pas mal. Ouais. Après 4, c'est un jeu coop, vous pouvez faire avec les potes, profitez-en. L'idée en fait, vous allez voir que si vous regardez vos succès Ubi,
vous allez voir que moi je suis déjà à 45% du jeu. Pourquoi? C'est les ailes. Mais après il y a tous les récoltables, tout le craft, tout le HL. On va être en fait dans un TPS RPG. Donc l'idée c'est que le côté RPG ça va être le fait qu'à partir du level 30 c'est là où commence le véritable jeu. Dans l'idée d'un RPG en fait, c'est que tu fais ta montée en level et après tu fais surtout tes armes etc. C'est trouver les bonnes stats, les bonnes armes, le bon stuff etc. Et le côté TPS c'est le troisième version shooter etc etc. Donc c'est ça qui va être intéressant quoi. Est-ce que c'est Salak ou c'est moi? Je pense que c'est toi ou Twitch qui est peut-être encore en PLS. Twitch aime bien le PLS en ce moment, ils se mettent sur le côté comme ça et ils adorent ça. Alors, on va aller là-bas. On est quoi dans... On a dit qu'on faisait quoi, merde? Ouais, hop là. On va faire. T'es level combien, Musa? 22. Ah oui, d'accord. Non mais ça va. Tout va bien. C'est-à-dire que, en fait, si je vais aller en Dark Zone avec toi, j'ai intérêt d'avancer et que tu joues pas si je te coupe le courant, quoi. J'appelle EDF en mode... La DZ, c'est 20-24. 20-24, parce qu'on est censé faire ce soir, la DZ, en fait. Mais je sais pas combien Bob sera, je sens que ce soir, ça va finir en PVE, ma gueule. Ah oui, ouais. Désolé, je suis à moitié malade. On va se faire les objectifs de la zone. T'as déjà fini Times Square, toi, Musa? J'imagine, en fait. J'ai bien avancé Times Square. Moi je fais dans l'ordre, j'ai Times Square à faire, 22, après j'ai Clinton, après je me fais Hillary mon gars. Ok, j'ai des individus. Moi je individus. Me fais Bill du coup. Non. T'es sérieux, tu veux te faire Bill? Quoique j'hésite encore, hein. Bill est très classe. Hein. Entre Hillary si j'ai dit qu'il m'appelle Monica, il y a peut-être moyen de lui rappeler des moments du passé. Niveau 17 les mobs. Du coup, est-ce qu'ils prennent pas du level en plus là, à cause de moi? Bah c'est possible. Je pense que si, parce qu'ils étaient 13. Ouais, parce qu'il me fait très mal Maurice. C'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Ah oui, là ça commence à piquer sévère. Moi mon soin il heal pas donc je te soigne pas. Hein. Non, mais ça va aller, je vais m'arranger sans vous. Mon soin il remonte une demi-barre de vie tellement il est pourri, j'ai pas de. Oui. C'est en rouge, je crois, non? Ouais, je pense, faut passer par là. Alex, tu n'as jamais voulu tester Xbox. C'est pas une envie de tester en fait, c'est aussi que je dépends aussi des plateformes sur lesquelles je suis. Et la plateforme sur laquelle je travaille, c'est. Oh putain de merde, il y a du monde. Non, c'est pas ça le nom de la plateforme, hein. C'est Twitch. Donc ouais, en fait, je sais pas, mais. Direct, allez, direct ma maman. Allez. De ce fait là je dépends de la plateforme aussi en fait. Quand on était sur Daily, on était sur Daily. Twitch j'aime beaucoup Twitch en fait. Vraiment, même si des fois les serveurs sont en PLS. Mais comme toute plateforme en fait, ça me fait rigoler à chaque fois. Peu importe la plateforme, on dit non elle est mieux celle-là. Moi j'aime beaucoup Twitch parce que je trouve que Twitch est pratique. Et c'est un réseau social à lui tout seul en fait. C'est ça qui est extrêmement pratique. C'est surtout la plus connue, c'est sûr, voilà, tout le monde connaît Twitch. Parce que c'est peut-être les seuls à avoir vraiment travaillé ce côté réseau social. Tu sais, ce côté où tu peux liker, etc., les subs et tout. Donc, il y a vraiment une interaction qui est assez intéressante sur Twitch. Je trouve. Hier soir, d'ailleurs, on vous a fait gagner en direct un jeu avec le Season Pass. Oh, t'étais pas là? C'est ça le gosse qui l'a gagné. Gosse 08. 07. Ouais, s'il y avait plusieurs sales gosses. 08. Appuyez sur le bouton. Non, fais pas ça, ça va. Quoi? Je rigole. Ils vont arriver, ils vont nous attaquer du coup. Bah, on s'en fout. Ils sont jamais contents. Dès qu'on appuie sur un bouton. Alors, je crois que c'est un bouton d'alarme. Aïe. Sors ta tête, Maurice. Ils sont en bouton, ils arrivent. Moi, je recharge. Je peux pas trop sortir. Ils ont un peu beaucoup de vie, hein. Oui. Bah 4 balles de fenêtre dans la tête, ouais. Regarde comment il est tombé le gars. Il y a un snipe. Nom de Dieu. Aïe. What? Bah ma ouest la grenade. Putain, je lui vide mon chargeur pour l'éclater, hein. J'ai chargeur de 20 balles. Comment, je me suis injecté 3 doses de morphine. Ah bah moi je vais faire la même parce que... En fait c'est avec son level de crotte Amusa là qu'on se fait arrache. Je pense que c'est ça, hein. Ça a équilibré en disant « Eh oh, tu crois quand même pas que tu vas te faire cette zone easy ?»« Tu crois quand même pas que tu vas réussir à finir une zone, tu vas pas finir... » En 3 heures quand même, alors que t'arrives à faire une zone en 40 minutes en moyenne. J'ai plus de balles, il me reste 6 balles parce qu'il faut qu'il y ait 15 minutes. Ouais, faut que j'aille voir là-bas, mais je sais pas comment on monte. Comment on monte chez eux?
Bah, c'est embêtant. Tu peux pas looter ? Bah, je sais pas, j'aimerais bien looter, je pense qu'il y a moyen de looter en passant par là. J'active le portail automatique. Bah ouais, c'est par où ? C'est par où ? On va là-bas. Me rappelle pas des mauvais souvenirs, Alex. Je... Ah oui, non, mais. Oui, bah oui, ça y est, Koyu qui l'a pas gagné. Non, mais. Demande. Oh putain de. Je passais pas. Ah, encore des gars. Ah, mais mon sniper il peut pas tirer par-dessus. Les gars, j'ai un mec à ma droite. Il me regarde dans les yeux. Ah là, faut que je me barre. Tu peux activer des. Ah bah j'ai eu. Il est colère. Oh, il est colère, hein. Oh, il est colère, Maurice. Aïe, aïe. Tu sais quoi, je vais sortir, j'ai baillé ma touche. Des balles explosives, des balles incendiaires. Comme ça, ils vont arrêter de me faire chier. Moi, je découpe le mur, ou moi, je peux tirer sur. Oh là là, ça sent connerie. Ça sent connerie. Ah, j'ai plein de bleus en bas. N'hésitez pas à rebinder vos touches, moi je les ai mis en 4 et 5, balles incendiaires, balles explosives. Pour les grenades, je trouve pas ça, on verra ce que je mettrai comme touche parce que c'est Alt E, etc. Mais là, moi j'ai mis en 4 et 5. Tu appuies sur V. Ouais, mais c'est V, c'est long, regarde. Alors que moi je fais 4, boulette. Je fais 4, je pars en balles incendiaires, je fais 5, je pars en balles explosives. Et je trouve ça assez pratique. Après, ce n'est que mon avis, mais. Je trouve que ces balles-là sont vraiment OP, hein, en PVE comme en PVP. Hein. Oh ouais, c'est normal. Attends, je ramasse des munitions du coup parce que. Sauver les prisonniers. Bonjour, il y a des prisonniers, bonjour. Ah bah là, il y a que des cadavres, oui. Hop, du holster. Ouais, je loot. Voilà. Et je sauve les prisonniers. Bon, ça s'est bien pas trop mal passé. Il y a un petit coffre en plus. Tut tut tut. Sauvage de. Sauvage. Sauvetage. Sauvage, ouais. Alex, on voit ta scène d'intro en fondu. Merci. Hein ? Mais s'y raconte, Maurice. Attends, je regarde. On voit ta scène d'intro en fondu. Ça va pas du tout, Maurice. Hein. C'est totalement impossible, mais. C'est pas possible, en fait. Attends, je regarde, mais je suis pas sûr. Oh, un SRC, waouh, furtif. Ça peut être intéressant, dis donc. Ça peut être fortement intéressant. Non, mais je sais pas ce qu'il raconte. Hein. Sur le milieu de ta scène, si on dirait. Si, si, en fait. T'as ta transition qui s'est mal faite. Et du coup, on voit ta tête en semi-fondu au milieu. Ah, bougez pas, regarde, attention. Magie des effets spéciaux. Là. Hop là. Là, ça devrait être mieux. Quand tu te mets en sniper, on l'a. Ouais, ouais, ça. La là, ça aurait été fait, énorme qu'en fait, au lieu de ta tête, t'as un gros kappa. Un gros kappa à la place. Je sais pas, c'est bizarre. La transition s'est mal faite et du coup, t'avais ta scène qui s'est enfondue au milieu. Écoutez, il y a des fois comme ça. C'est bon, là, c'est plus. Sinon, Alex, je pensais ce que je peux faire, si je peux essayer de prendre mon autre perso, le perso d'hier. Parce que ça, c'est pas mon perso d'hier. Bon, je m'en fous. Et du coup, je suis moins en level, quoi. Bon, moi, je m'en fous un peu. Là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ah, voilà. Bah, attends, on va et du coup, ça lag plus. Bah, ça devait peut-être faire laguer, désolé, les gars. Mon retour avait planté. Ok, alors, attends, je voulais juste regarder, j'ai chopé une arme. C'est explicite, il a du mal faire la transition. SRC furtif à 4008, il est moins bien. C'est con. Okay. D'ailleurs, en parlant de Kappa. On a mis les cadavres. Oui. J'ai vu qu'il y avait Magritor qui était là. Eh hey, Magritor, mais venez avec nous, on joue. Tu vas voir, Musaraigne, il nous a réveillé. Vous allez bien, Magritor? Ah oui, pardon. Mesdames et messieurs, le responsable des viewers. Enfin, vite fait quand même. Magritor, bonjour Magritor. Bonjour. Je faisais mes exercices, hein. Je pense que tu m'as vu. Ouais, je t'ai vu, un tu faisais tes petits kappa. Exercices. Les kappa exercices. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, Magritor, mais dans l'image de live sur Twitter, il y a un kappa dans le ciel. Oui, c'est son idée. Ouais, je sais. Bah, tu peux nous rejoindre, Magritor. Ah, bah, il nous a déjà rejoint, c'est Musa qui s'est barré. C'était où? Ah, mais merde, c'est juste là. Non, mais j'arrive, j'ai pris mon deuxième perso, du coup. Donc je serai moins au level. Times Square, t'inquiète. Qu'est-ce que tu fais? C'est par là, tu penses? Bah, ouais, il y a un. Donner du cloud là. Ah, donner du cloud. Tu tires dans les nuages. Ça, mais y a pas trop de nuages là, c'est beau temps pourtant. Activez l'écho. Ça dit le jeu, vous considérez que vous l'avez déjà torché en deux jours totalement pas. Parce ah bah non, après il y a tout. C'est toute la partie HL en fait. C'est l'idée en fait. Non, si quand si là, on verra en fait, HL. On verra en HL, mais. Si tu pars du principe qu'un RPG ça commence vraiment au moment où.
où t'es au level, enfin où t'es au level max, comme sur un WoW ou autre. Alors oui, je sais, c'est hardcore de comparer The Division à WoW, mais sur l'idée, sur le principe, en fait, tu commences réellement à farmer un peu et à en chier, c'est au level. Quand t'es level max. Quand t'es level max, quoi. Moi, je le compare juste, enfin plus à Diablo. Ouais, un peu sur un, ouais, sur l'idée d'un Diablo, quoi. Tous les jeux de farm. Ça. Mais après, voilà, le stuff, faut le préparer, faut. Eh oh, excuse-moi, tu permets là, c'est mon bureau ça. J'ai déplacé mes activités, c'est mon bureau de stream en cas d'apocalypse. Regarde, j'ai mes bottes, mon casque, ma bibine, mon masque à gaz. Truc de police là, je sais pas ce pour moi ça. Ah, c'est un gilet pare-balles sur les stingers en cas où. Les gants. Oui. On va voir le stuff après. Pas un. Ah, mais c'est. Iron Kinner. Ah, y'a un drone là apparemment. Il est où ce drone? Petit fusil. Faut tirer dans le drone. Dessus. Bah attends, mais sauf que faut que je trouve l'angle. C'est rouge, peut-être que. Tu te mets ici. Tu t'enlèves une boîte. Là, là, ici, là. Tu te mets là. J'espère. On peut pas tirer au-dessus de la tête. Et il est où l'autre? Il est là-bas où? What? Et après. Ah oui, faut ramasser ce qui est par terre. Oh lol. Après, tu... Moi j'ai pas eu besoin de me mettre là-bas, j'ai juste pas visé. Qui c'est qui m'a poussé? Ah merde, Magri! Oh là là, mais j'arrive! Mais j'arrive, c'est peut-être moi, excusez-moi, Kappa! Ah bah Kappa! Ah merde, comment je descends? Sautons, Kappa! Hop là! Je suis confus, hein! Ah, je suis confus, Magri! Il y avait la piscine pour l'atterrissage, t'aurais pu te mettre dans la piscine! Aïe, pourquoi je prends des coups là? Il y avait la piscine pour t'amortir, Magri! Et ça va pas la tête, monsieur, hein! Complètement con! Voyez bien que je suis dans ma carte! Ah, il m'a douté un truc! Oh, butez-moi ces connards, tout de suite, les mauvais mots. Oh là 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 là. Pom. Oui, Magritor a retourné sa veste. Vous sentez dans ses propos que il n'est plus même. Il ne se respecte plus. Il est passé du côté de l'argent. Du côté obscur. Vu que je le paye 1€ par jour, c'est déjà beaucoup. Il est passé du côté de l'argent. Il fait comment ça s'appelle le truc qui va avec 1€ par jour. Ah, honnêtement, c'est quoi ce jeu inutile? Lol, autant jouer à Call of Duty. Mais on en fera la semaine prochaine pour te faire plaisir. Ce jeu est peut-être inutile pour toi et pour d'autres, c'est l'éclate. Tu vois ce que je veux dire, chat? Visiblement, il a. Comme je peux entendre que certaines personnes disent protéger le ravitaillement, ok. Je peux entendre des gens qui aiment que les jeux indés, des gens qui aiment que Call of Duty, des gens qui. Voilà, c'est pas. Ce que je veux dire, le jeu n'est pas créé pour une personne. Sur un stream de Call of Duty, tu regardes et tu viens pas ici dire. Ah, c'est pas. Mais non, c'est pas ça, il a le droit de le dire. Il a le droit de dire qu'il aime pas le jeu, mais. Ouais, mais donne des arguments alors. Et tu dis, j'aime pas, il est là, il fait de la merde. J'espère que. Putain, je suis en train de douiller, merde! C'est pas ça. Moi, que j'aime faire. Pas un jeu, je vais pas sur le live. Ah, et bim! Il avait mis un lol, hein. C'est comme un Kappa. Hein. Ah. Moi, je dis rien. Hein. Bah, c'est le nouveau Kappa à la mode. C'est le Laughing Out Love. Laughing Out Love. J'ai vidé un peu. Ah merde, mais attends, il est où le truc? Vito. On doit protéger un truc, mais il est où? Ah, il est là-bas. Là-bas. À l'attaque! Ah, c'est hier avec Queen, on s'est fait avoir. Putain, mais il est hyper loin! Bah ouais. Ouais. Ah ouais, laisse tomber, regarde, tant qu'on arrive. Mais il faut savoir où ils sont à l'avance, quoi. Ah bah, on y arrivera pas, là. Bah ouais, quand on est arrivé. Ouais, c'est shit. Et moi, je dis, ça shit. Ouais, mais c'est... LOL! Mais le truc, il est à l'autre bout de la planète! Bon, on le saura hein, pour après. On va la refaire. En fait, ils sont pas forcément dans le même ordre. Le ouais, coup, avec lui, on l'avait en 3ème, celui-là là-haut. Donc, du coup, on a perdu. Et quand on est revenu, en fait, on a eu un premier. Attends, on va finir de nettoyer la zone et puis on va la refaire. Il y avait un dossier là. Elle a refaire, on va refaire dessus. Level 30 et certains le sont déjà. Oui, oui, ça va très vite. Ah oui, oui, Fox est 28. Moi, je suis bien, je fais mes petites zones. Alors, moi, j'aime bien faire mes zones tranquilles en fait. Je fais les zones dans l'ordre du jeu, un peu en mode autiste.
je panique pas. Allez, don't panic. Comment on va la relancer celle-là? Je sais plus. Bah, il faut attendre, refaire une autre. Et... on va en refaire une autre, on viendra la faire après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, une rencontre juste ici. Allez, go. Go à la rencontre. Ça, on se fait Times Square. Et on fera Clinton après. Bon, on fait dans l'ordre, on n'est pas pressé non plus. Je suis pas à la pièce, ça se trouve, on n'aura pas le temps de faire Clinton aujourd'hui, je le ferai cet après-midi. Enfin, voilà, faut pas paniquer, le jeu avance, vous voyez les bouts de jeu, etc. L'idée, c'est pas forcément de vous faire tout le jeu en entier. Magritor qui panique. À chaque fois qu'il voit un mec, il fait oh là là, je sors mon boubou. On l'appelle Boubou, le gros Boubou. Boubou Kappa. Ça dit, il est bien sympa le jeu, c'est pas une révolution, mais il est sympa. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup le jeu. Pour l'instant, j'ai pas trouvé beaucoup de choses à dire au jeu, de négatif en fait. Après, je trouve quand même qu'il mange du côté. Je pense qu'une autre marque aurait fait le même jeu, on les aurait traités de génies. On aurait dit que c'était des génies. Comme c'est Ubisoft, ça leur colle à la peau. Et il y a beaucoup de critiques faciles en fait. Je trouve quand même, hein. Ça aurait été une autre marque, on aurait dit. Il est bien sympa, ce qui m'empêche pas d'attendre Wildland avec impatience. Oh, ça va être autre chose encore. C'est mon fond d'écran actuellement. Ah bah Wildland, ça va être nawak, hein, moi je te le dis. Il est où Jean-Pierre? Jean-Pierre, pourquoi t'es caché? Faut qu'on te parle. Putain, je vais être fou là encore, c'est horrible. Protéger l'officier de la JTF. T'inquiète, Maurice. Oro! Fais gaffe, Oro. Oro! Je sais pas ce que fait Oro, mais il le fait. Protégeons Oro! Fais de la place dans mon inventaire. Ouais, mais y a, en fait, t'as des hommes à 20 mètres de toi. À 20 mètres. C'est un euphémisme. Ah oui! Ah non, mais voilà, quand on te dit Oro, c'était pas histoire de te faire chier en fait. J'ai bien senti. De quoi continuer des chiens, t'as pas mis de... Non, rien, j'étais dégueulasse. C'est ça. Ah bah bravo. Allô le monsieur de la JTF là. Non, 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 regarde. Tiens, on peut le sauver. Ah mais t'es pas... T'es où? Comment ça? En fait, en allant me cacher, je suis remort. Oh non, je suis... Ah, j'ai cru que j'étais coincé comme ce matin. Ce matin, je me suis coincé, c'est le seul bug que j'ai trouvé pour l'instant. Ah, c'est derrière. Il y a le loot. Oula, il y a des bonhommes volés. Vous ne passerez pas. Je suis le Gandalf de... Ouais, bah vous ne passerez pas. J'ai un peu l'impression d'avoir pris le dragon dans la gueule. Hein. Putain, mais j'ai jamais de balles dans ce jeu. Hein. Ouais, y'en a qui ont pas de bol, toi t'as pas de balle. Drôle, il est drôle cet individu. Il est en retard et drôle. Tiens, le mec qui prend un collectable. Oh, y'a un téléphone. Des genouillères anti-émeute ouais. Bleu. Moi, je vais me rééquiper après entièrement, moi je fais des petits points comme ça. Donc ça c'est fait, Michel faut qu'on te parle. Maurice, dis-nous qu'on a fini. Ouais, c'était un honneur, tout ça, vous avez rien foutu, hein, comme d'habitude. Voilà, des bisous. Tiens, Alexiex, c'est les donjons, qu'on va appeler donjons, ouais. Qui donnent le plus d'XP. Ouais. Ah oui, c'est ça qui donne le plus d'XP, ouais. Ah oui, ça donne... ça te fait monter un niveau complet. C'est quoi le... Ce que les gens forment. Ce que t'appelles les donjons. Ah oui, les missions, les... ok. Les grosses missions. Et c'est quoi le donjon HL alors? En fait, tu peux refaire tous les donjons... quand tu fais en difficulté, ça te met aux difficultés, ça te met au niveau max du groupe. Donc là, en l'occurrence, ça mettrait niveau 15. Mais en fait, en HL, en fait, c'est level 30, sauf que je pense que level 30 en difficile... Bah, il va falloir les remplir d'armes pour faire ce stuff. Ouais. Mais level 30 en difficile, on a vite en chien un peu. Hein. Ah, et oui, en fait, on en a fait quelques-uns avec Niejdan hier. Et juste la diversité, que ça soit diversité de décors... ou quoi, enfin même de la mission, c'est juste ouf. Je suis tout seul, c'est ça, hein? Bah oui, t'es parti un peu. Ah ouais, d'accord. Non, je suis là. Voilà. Oh, c'est un pro gamer, il est arrivé. Pitié le pauvre level 7 qui est en train de mourir.
En fait, tant qu'il était sous suppression, lui, là-haut, je crois qu'il sortait. Bon. On se fait les petites zones de Times Square, tranquille. Attention, je vais vous dire. Alors ça, c'est ce qu'on appelle tout mettre à côté. Ma femme me le dit souvent. Et puis aussi, au niveau de l'histoire, parce que du coup, t'apprends un peu ce qui se passe et tu sais, t'as la fameuse première vague. Ouais. Ouais, les premiers agents. C'est les premiers agents. Bah, il t'explique un peu quelques trucs et c'est un peu ouf hein, quand même, au niveau de l'histoire. De toute façon, c'est pas trop exactement où ça mène, mais... C'est pour ça que je spoil pas trop l'histoire en fait, mais en même temps tu me diras, il y a des fois j'aurais pas trop le choix. Ah, il y a des composants à récupérer. Oui, c'est vrai, c'est une casse. Il y a du monde qui arrive par la rue. C'est ça. Elle est où la valise? Je crois que j'ai pris ma valise. Je tire dans le bouclier, Docteur Sigma, un vrai RPG en une semaine, tu fais un cinquième de l'histoire. Wow, il te faut un jour et demi pour monter level max. Hein. Je prends un exemple, hein, mais sans héritage, sans rien, un jour et demi, on est bon. Hein. Une trentaine d'heures et c'est parti mon kiki. Hein. Si t'as l'habitude des RP. Bah, avec tous les nerfs qu'il y a eu. Oh. Ouais, c'est ça. En fait, ça dépend si... Tu rush ou pas. La division, t'as quand même toutes les secondaires, t'as les collectables... Là, tu vois, je pourrais prendre du level beaucoup plus vite, en fait. Là, l'idée, c'est pas de rush level, je m'en fous. Mais... En fait, je m'en branle de rush level. Moi, j'avance tranquillement, je me fais mes zones, j'augmente mon perso, je me fais plaisir, quoi. Et puis, on verra arriver level 30. Mais je fais un maximum de choses. Il me manque pas mal de collectables. Ah, bute-le! On a failli perdre l'objectif. Peut-être c'est pas un RPG. Fais ça au cac. Qu'est-ce qui est pas un RPG? Wow. Je crois que le gars il a pas compris. C'est un meuporg. C'est un meuporg. T'as 250 crédits, il fout de ma gueule. Hein. Alors dans cette zone, il va nous rester une rencontre en bas. Il y aura la mission secondaire, on la refera tout à l'heure. Hein. Il y en a deux. On va faire la rencontre, après on fera la mission jaune. On va se faire déjà ça. Allez go! Faudrait que juste avant la mission jaune, on fait la rencontre et puis après je vais vérifier mon équipement. Ouais, wow, on a qu'à dire que c'est un MOBA. Allez, soyons fous. Ouais. Je vois ça dans le chat, je suis d'accord. Moi je suis d'accord. Ouais. Mais Division, c'est un peu compliqué en fait de le cataloguer finalement. Ah merde, vous êtes des ennemis! Oui, voilà, c'est un TPS RPG. Un TPS RPG. Je vois pas où est le problème en fait. Ça veut pas dire que des autres RPG sont moins bien ou meilleurs. Il y a un système de level. Non seulement de level, mais aussi de farming, de crafting. Il y a clairement une montée HL quoi. Alors après, est-ce que ça plaît aux gens qui entendent ça? Je ne sais pas. Mais. C'est la réalité. Après, ça ne fait pas du jeu un bon jeu ou un mauvais jeu. C'est son type. Ça n'empêche pas le type, quoi. Ça dit, le concept du jeu me fait penser à Destiny. Beaucoup de gens ont dit en tout cas que le concept faisait extrêmement penser à Destiny. Moi, je n'y ai pas joué. Nijden, qui a pas mal joué, disait qu'il voit pas le. Il n'y a pas de rapport dans le jeu en lui-même. Le concept, un peu, mais après, ni l'émission ni la montée ressemble en tout cas. Voilà. RPG, Tactical, TPS. C'est étonnant que ça parle Destiny et pas de Warframe. Quelqu'un prend là. Bon, je vais la prendre. Ah, ça dit, perso, après deux streams de vues, je trouve que la recette est plutôt bonne, reste le scénar à gérer. Ouais, il y a Emerald qui dit un système de level, de stuff, de craft, d'arbres, de talent, donc c'est un RPG tactique TPS. Ouais. Moi, je suis d'accord, c'est le mais ouais, ça n'empêche pas, voilà. Est-ce qu'après, c'est un bon jeu, ça, c'est à la vue de chacun, enfin voilà, c'est une question. Après, c'est personnel, comme il y a des gens qui diront, moi, j'aime pas WoW, j'aime pas machin, j'aime pas bidule. J'aime le fait qu'on soit sur un jeu ou on soit pas sur un RPG médiéval. J'aime beaucoup. Bonjour, ça va?
T'as, quand j'y vais au 4 comme ça, j'ai vraiment l'impression de faire partie des forces armées russes. En fait, c'est pas t'arrives level 30, tu fais tu joues une heure et t'es stuffé, quoi. Hein. Après, parce pour se stuffer, il faut les si bonnes stats sur chaque arme. C'est ça qui va être rigolo. Voilà, et en fait, tu peux restat tes armes. Plus sérieusement, tu ne trouves pas que le jeu est un peu lent, fade, manque un peu de dynamisme, de nervosité avec les interactions combat. Il y a certains trucs où je trouve que, ouais, au niveau notamment de l'inventaire, où j'ai un peu du mal avec l'inventaire. Enfin, t'as l'impression de mettre 20 ans pour faire le moindre truc dans ton inventaire. Un peu lourd, un peu long. Mais par contre, je trouve que en soi, qu'est-ce qu'il fait, Michel ? Il vérifie le matos. Mais non, mais prends-le ! Mais t'es complètement con ! Ah oui, d'accord, c'est bon pour lui. Par contre, je trouve pas le jeu lent. J'aime bien en fait le fait qu'il y ait de la difficulté. Plus tu vas augmenter en level, plus c'est difficile. Si des potes arrivent avec toi, c'est différent. J'aime beaucoup. Après, pour avoir fait la Dark Zone, va être un élément essentiel aussi. Il y aura beaucoup de trolls dans la Dark Zone. Moi, je me ferai une joie de troller aussi parce que c'est assez rigolo. Hop. On va les capatiser aussi, tiens. On va aller faire la mission principale. Juste avant, petit point stuff. Ah bah voilà, on va faire petit point stuff, puis pub. Ok. En armes, qu'est-ce que j'ai récupéré de dingue? Rien de ouf. Ah si, ça c'est pas mal. 4008 sur un SR, c'est furtif. J'ai quand même mon Scarache avec 4000... Non, on va garder ça comme ça. C'est pas révolutionnaire. Si c'est pas révolutionnaire, on change pas. Là-dessus, ouais, non, que dalle. Là, que dalle. Ça, c'est pas mal, ça. Ça me monte en plus mon... Ça me baisse un peu ma vie, mais ça me monte ma compétence. Ça, c'est bien. Ça, c'est des modes d'armes. C'est pourrave. Ça, c'est les modes, mais j'ai rien. J'ai pas de slot. Ah, si, j'ai des slots sur l'armure, par exemple. Vous voyez, je sais pas comment on place ces slots, après. On va tester ça. Sur du bleu. Non, moi, j'ai trouvé celle-là. Des... Ouais, j'en ai, mais je sais pas comment tu le places dessus. Mais que bleu. 47, ouais, c'est bien. Pardon. Tu fais comme pour les armes. Attends, on va regarder ça tout de suite. Du 33, qu'augmenterait la vie. Ça changerait rien d'autre. Allez, on le prend. Donc, par exemple, je fais dessus, je fais F. Ah oui, d'accord, tu fais F et ça te demande si tu veux mettre un mode d'endurance. Ouais, je vais mettre ce mode d'endurance là. F, on va mettre un mode de performance. Voilà. Hop. Et là-dessus, non, pas grand-chose. Ok. Ça me monte à 4-5 et 4-2. Bon, c'est pas ouf, mais j'ai changé le sac à dos. J'ai le sac à dos militaire et là j'en ai vraiment un qui me monte mes compétences. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, vous quittez pas. On marque une courte page publicitaire, mesdames et messieurs. On se retrouve dans 5 minutes. Toujours en compagnie de Musa, Doro et de Magritor, le pro gamer. Hein, je lis le titre qu'il a mis sur le TS hein, pour changer. Qu'a pas à lui. Ouais, bah, c'est vous qui avez mis ça. Vous appelez Magritor, le pro gamer. Ouais, vous êtes sûr que vous voulez pas que je fasse un screen? Ah, il vient d'enlever son nom, mais lol. C'est toujours dans les logs. Salut Gaming Live, le jeu en vaut vraiment la peine, j'hésite encore sur la longueur qu'ils ne tiennent pas, dans 3 semaines je n'y joue plus, ton avis. Je peux pas te dire sur la longueur parce que je ne l'ai pas fait en fait encore. Oh là, par contre j'avais un souci. Oh là là, problème de taxe tour. On en parle juste après la pub, tu quittes pas, vous restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 15h, on en parle justement de la durée, etc. De ce que nous on en a vu pour l'instant, mais... on sait pas tout. Nous savons pas tout. C'est normal, on n'a pas fini le jeu, on n'a pas assez avancé. Après, je vous donnerai mes craintes aussi. Oh mon Dieu, il a des craintes. Oh là 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 là. Bon, quittez pas, on arrive. À tout de suite. Il est midi 50 et vous regardez toujours Gaming Live, Web TV de jeuxvideo.com. Je suis Click, vous êtes les viewers et nous sommes ensemble jusqu'à 15h en compagnie de Musaren, Noro et Magritor. Nous sommes sur The Division. Pom, 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 pom. Ils sont là, regardez, ils sont beaux. Oh là là, hey, bonjour, c'est moi, lieutenant Click. Enfin, Faye Click, vous allez bien? Bienvenue. Bon, aujourd'hui, mission. Voilà, c'est tout, bisous. Hop là, le mec y va. Il y a du débat hein, sur le chat, ça débat. Notamment Kenny qui disait c'est quand même horrible, tu fais toujours la même chose dans ce jeu et c'est pas le crafting ou la chasse aux collectibles qui vont t'apporter de la vraie variété, c'est combler le jeu avec du vide. Parfois j'ai l'impression que Musa est payé par Ubi. Bah oui, Musa est payé par Ubi, mais des milliers d'euros, des millions même, des millions de milliards. Ah, alors, mais, en fait, encore une fois, non mais que justement c'est intéressant de voir les avis de tout le monde, c'est ça qui me plaît aussi. Derrière, je pense que malheureusement, ce que je disais tout à l'heure, ce jeu aurait été fait par une autre marque, on aurait dit que c'était du pur génie.
en disant c'est intéressant, ça change le genre, c'est pas mal, etc. On aurait dit ça vaut le coup, rien que pour jouer, il y a quand même une trentaine d'heures minimum, etc. Voire beaucoup plus en HL si vous voulez faire du HL. Le problème c'est que c'est Ubi, et Ubi a une réputation qui lui colle à la peau de jeux commerciaux. Étrangement, depuis Watch Dogs, qui a été un désastre. En fait, c'est pas vraiment de jeux commerciaux, c'est de jeux, on présente un truc à l'E3, c'est ça, qui super a l'air beau, ouf et qui... Mais Alex, pour en revenir au débat sur Ubi, ils payent leur réputation. Je suis pas certain, parce qu'on tape pas sur Electronic Arts aussi facilement, alors que pour moi, Electronic Arts fait beaucoup plus de daube, vendable qu'autre chose. Et je pense que sur des marques qui engrangent autant de pognon, que ça soit, on parle pas trop de, on dit, oh, c'est trop bien, etc. Mais GTA, Rockstar, on n'en parle pas du foutage de gueule du dernier. Oh, il est magnifique, etc. Il est magnifique, il n'y a rien à faire dedans. Une fois que t'as fini l'histoire solo et en multi, que t'as fait le con trois fois, à part faire le con en boucle, ce que j'adore faire aussi, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup de jeux qui sont répétitifs, où là c'est pas un jeu qui est présenté comme un jeu purement solo, c'est un jeu axé coop, axé multi, axé PVP, un jeu après axé HL. Donc moi ce qui m'embête un petit peu en fait, c'est pas de savoir s'il est bon ou mauvais le jeu, c'est pas là le fond du problème en fait, c'est que de base on va dire Ubisoft, donc tapons dessus. Sans y avoir joué, sans avoir le recul des heures de jeu, sans avoir de vrais tests, on va taper dessus. Et je trouve ça dommage, parce que EA, on tape pas dessus parce que c'est admis que c'est pourri. Mais ouais, mais c'est dommage en fait. C'est dommage qu'on soit pas capable de dire venez, on regarde. Parce que pour l'instant, le jeu correspond au trailer, le jeu correspond à ce qu'on a vu dans les dernières semaines. Le jeu est agréable. Pour l'instant, je prends plaisir. Je fais une dizaine d'heures de jeu. Je prends plaisir à jouer, à aller chercher mes armes, à faire les missions. Je trouve pas le jeu redondant pour l'instant. Je me fais limite. Moi, je me fais vraiment plaisir. Je trouverai des points faibles, mais comme dans tout jeu. Mais oui, il y a beaucoup de jeux où moi, il y a des jeux qui m'ennuient, des jeux que vous adorez sûrement. Moi je dis, bah, moi je m'ennuie, wow je m'ennuie. Je suis désolé, wow je m'ennuie. Oh. Je m'ennuie. World of Warcraft, je m'ennuie. Je me casse. Non mais pour une simple et bonne raison, c'est qu'une fois que t'es arrivé en HL, c'est un concours de kiki, de farm, donc tu fais toujours la même chose dans WoW une fois que t'es en HL. Et la deuxième chose, c'est que dans WoW, je ne supporte plus. Moi, le côté ton chef qui est là, en fait, c'est jamais la faute à personne dans un raid. C'est jamais la faute à... Donc, en fait, tu passes ton temps, tu passes 3 heures à t'engueuler. En fait. Voilà. Donc, moi, ça m'énerve. La faute d'huile. Toujours là, ouais, c'est ça, on est reparti. Moi, je m'en fous. Non, je mais je pense que c'est surtout une question de point de vue. Parce que des jeux répétitifs où tu farm, il y en a plein. Autant des jeux connus où... Tous les jeux compatibles moins connus. En fait. Ça dit, tu te fais chier WoW quand tu raides pas. Tu te fais chier quand tu raides aussi. Hein. Tu prends. Moi, je me fais chier. Ça n'a rien à voir. Hein. Tu prends League of Legends par exemple. Excuse-moi, mais. Non, mais tu prends du FIFA. Il y en a qui vont dire c'est pas répétitif. Les parties sont pas les mêmes ou quoi, mais. Bah là, dans la DZ, quand tu vas croiser des mecs, ça ressemblera jamais. Ça fait combien de temps qu'ils nous tiennent avec la même map depuis combien d'années? Non, mais. Encore une fois, c'est une question de goût. Tu sais, on dit toujours les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais c'est vrai dans le jeu vidéo aussi. Ce que je trouve dommage, oui, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de points sur les jeux vidéo, que ce soit dans les rédactions journalistes, JVC ou ailleurs, ou choses comme ça, où en fait, on va écouter ce que disent 2-3 streamers ou un journaliste et on va le prendre pour acquis. Ok, mais sous quelle réserve? C'est pas parce que le mec, demain, que Ken vous parle de ce jeu, ça sera sûrement une vision différente que si c'est Amixem, IQLU, Atomium, qui a fait d'ailleurs une très jolie vidéo sur The Division, allez la voir, des bisous à Atomium. Ce que je veux dire, c'est que c'est autant que vous serez pas d'accord avec vos potes sur le football, sur plein de trucs. Donc le problème, c'est une question de goût. Faut pas oublier, par rapport à Ubisoft, c'est les seuls à vraiment prendre des risques, hein, dans le jeu vidéo. Te sortir un FPS, à part les indés, oui, c'est les seuls à prendre du risque. Bah, après, tu prends les autres éditeurs, on va reprendre Electronic Arts, et à part sortir un FIFA et un Call of par an, ils prennent pas énormément de risques. Enfin, si, sortir le même jeu tous les ans, mais. Pour moi, le fait de laisser jouer les journalistes que 10 heures avant la sortie, c'est une stratégie pour que tes potentiels acheteurs ne puissent pas. Enfin, je suis avec des plantes, mais. Avec des plantes et des zombies, je suis plus ou moins original, mais. Mais la DZ, voilà, c'est pas compétitif, c'est que... les gens vont vite se faire chier. Mais ça, on verra. En fait, là, je peux pas te le dire parce que dans la bêta, je me suis pas fait chier dans la DZ, même si on était bloqué. On va voir. En fait, la question, c'est ça, c'est que je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Oui, ma crainte, c'est de dire que dans 5 heures, je vais m'ennuyer, etc. Oui, c'est ma crainte. Mais pour l'instant, il n'y a pas de raison. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, je prends le jeu comme il est, comme il vient. Je vais pas vous trouver des trucs négatifs si pour l'instant, j'en ai pas.
En fait, le seul truc que je vous ai dit, moi, c'est la partie équipement que je trouve, ouais, mal foutue. Je trouve qu'elle est pas pratique, c'est hyper long pour s'équiper, se déséquiper, etc., pour changer de stuff. Faire 25 catégories c'est, pour changer voilà, c'est, ça, c'est pas très pratique. Après, le reste, pour l'instant, j'ai aucun souci. Hein. J'ai pas de problème. Ça dit, c'est vrai qu'Ubisoft ne sort pas le même jeu tous les gens, Dixit et Assassin's Creed. Oui, non mais... Bah, y a un moment donné, il leur faut bien un fonds de commerce stable, viable. Non mais j'ai pas dit qu'ils sortaient pas les jeux, j'ai dit que c'était les seuls à prendre des risques. Bah, dans ce cas-là, donne-moi un exemple chez Electronic Arts ou chez un autre éditeur de, qui a pris un gros risque en sortant un jeu qui a... Bah, plus ou moins original par rapport à ce qu'ils font. FIFA, ma gueule. Ils ont changé les maillots, ils sont verts maintenant. Et c'est un gros risque. Gros, non, gros risque voilà, dans le football. C'est ça. Effectivement, ils sortent des Assassin's Creed de maison. Après, voilà. Si... En fait, mais on est sur le même après, débat. Si on est sur le même débat quand tu fais un jeu que sur. Oui, mais Call of, c'est de la merde. FIFA aussi. Mais pourtant, c'est des jeux extrêmement vendus qui plaisent à beaucoup de gens. C'est pas parce que toi ou un autre n'aimait pas ces jeux-là que c'est pas un bon jeu. Moi, mon beau-frère adore les jeux de foot, il adore ça, et lui, il trouve ça sympa. Il a pas la même envie de jouer aux jeux vidéo que d'autres. C'est, fin, le truc, c'est qu'il faut pas imposer sa vision du jeu à tout le monde. Le jeu est très bon, hein, c'est la communauté qui est... La communauté sur n'importe quel jeu. Je connais pas un jeu où la communauté est cool. Parce que, mine de rien, Call of, il y a quand même... Hello Kitty, ils veulent tous farmer les poneys d'or et... C'est pas... L'histoire est bonne, hein, c'est la communauté qui est dessus. Tu peux pas faire une partie sans te faire insulter ta mère. Et dans jeu non plus, la maman. Très important. Oh merde, c'est derrière. C'est derrière nous. Hein. C'est un peu dans tous les sens. Ah oui, dans tous les sens. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous prenez le rôle de Nijdan aujourd'hui? Non. Non, je vous laisse. C'est la communauté Pokémon. Et si c'est encore autre chose La communauté Pokémon, ouais. En fait, c'est pas par pour exemple, mettre à dos des gens, mais bah, la tiens, communauté Pokémon, tu vas sur un stream Pokémon, ne pas savoir quelque chose, tu te fais des rusher la gueule en disant bah c'est bon, allez. Bah, Nintendo, c'est toutes les communautés, les gars. À partir du moment où quelqu'un connaît quelque chose, il aime l'expliquer aux autres par A plus B ou c'est compliqué. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Quand un jeu se vend un minimum, ça prouve que le jeu touche une certaine cible. Oui, mais à ça, t'as les gens qui te répondront que malheureusement, il y a que des moutons sauf lui. Le problème, il est là en fait. C'est qu'un jeu qui plaît, qui a été vendu à des millions d'exemplaires, les gens n'ont rien compris. Les millions de personnes qui font ça ou qui regardent des programmes télévisuels, en fait, c'est pas en criant sur les gens qu'on fait changer les mentalités. C'est pas en leur disant vous êtes tous des moutons et des cons. C'est en leur apportant d'autres contenus, d'autres choses qu'on fait des fois certains jeux indés où on a dit c'est des pures merveilles. Regardez, je prends Ark, l'exemple qui est un jeu indé à la base, qui a beaucoup plu à plein de gens. C'est une autre façon de faire. Le truc, tu prends Minecraft, c'était pareil. Mais encore une fois, c'est pas en disant aux gens que c'est des merdes, que vous êtes des moutons et des merdes, que tu changes les mentalités. Il est là le truc en fait. Et là je trouve que les mecs qui disent moi j'ai une ouverture d'esprit parce que je connais vraiment tout ça. Ouais, mais le problème il est pas là. Tu connais donc, mais t'es donc de ce fait là, sois plus indulgent. Soit comprends les choses quoi. Non, on le prend envie, de toute façon c'est tous des cons. Dire j'aime pas, je comprends pas l'intérêt du jeu, mais t'es pas obligé de dire c'est de la merde, faut pas jouer à cette merde. Voilà, tu peux dire moi j'aime pas. C'est la facilité. Le côté j'ai mon foie qui... Moi je me prends plus la tête avec ça, les gens sont pas contents, ils sont pas contents, mais ça me fait bien rigoler parce que... comment tu veux défendre par exemple un jeu que t'aimes ou une communauté quand tu vas insulter les autres communautés? Ça me fait rigoler, c'est ça. C'est ce que j'ai souvent dit à Ken en disant c'est très rigolo, le côté Minecraft c'est pour les enfants, etc. Mais n'empêche que la communauté est présente, n'empêche que Pokémon pendant une période, on disait que c'était le jeu des enfants par définition. Or, ça peut être pour les enfants, mais ça peut être aussi à un autre level. Donc c'est ce qu'on en fait du jeu, c'est ce qu'on aime et ce qu'on en fait. C'est pas ce que les gens disent, c'est ce que toi t'as envie d'insuffler. Putain, on est passé devant des mecs, on les a juste pas vus. Oh, j'ai un loot d'apparence. Cheater. Tu vois, si ça, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas le friendly. Ça, je suis assez d'accord avec Niège. Je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas le friendly. Ben. Non, je trouve ça dommage parce que ça aurait apporté un petit truc en plus. Une stratégie. Ah, surtout en PVP. Je trouve ça dommage. En PVP, comme en PVE. En PVP, ça. T'as un pote qui rush trop comme un porc, hop, tu lui as mis une balle, il tombe. Les grenades, si, c'est friendly. Ouais, les grenades. Mais j'aurais aimé que les balles aussi. On a fini la mission jaune. Non, mais c'est cette mission. C'est cette mission, d'accord. Parce que j'étais en train de me dire, mais merde, je suis pas trop, puis tout à l'heure on est en plein débat. Elle est en open truc, je suis plutôt open house.
dire qu'elle a... La claque graphique, on repassera. Bah alors là, on est en... Tu vois le stream en 720, 30 images secondes. Parce que tout simplement, c'est dur pour moi de faire entre la co et l'ordi. Ça demanderait une machine et une co tellement puissante que je peux pas. Là, on va être franc. Mais le jeu, moi, je le trouve, quand je suis dessus, il est tout simplement magnifique. Petite redondance de certains... certains endroits. Qu'est-ce qu'il appelle graphique? C'est-à-dire, c'est les effets de lumière, c'est... C'est quoi? C'est la qualité du décor, des textures. C'est pareil, parce que... Que ça soit qualité décor texture, je pense qu'il y a plutôt rien à dire parce qu'il est plutôt beau, bien fourni. Le jeu est beau. Bah, c'est beau. C'est l'ambiance. Voilà, c'est. Moi, le seul truc qui me. Des fois, je trouve un peu redondant, c'est les bâtiments où c'est souvent les mêmes. C'est souvent les mêmes bâtiments. Ça, c'est un peu redondant, mais en même temps, tu te dis que les mecs, ils ont mappé. Je pense que tu vas à New York. Oui, les bâtiments se ressemblent. Non, mais tu sais, dans les bâtiments de quête, souvent tu retrouves les mêmes. Ouais, dans les appartements. Au cac! Rien à foutre! Un agent roqué mon assistant. On a pas eu le temps. C'est ça encore moi. Mais t'es où? Il est où l'autre? Ah oui. Et les relevés. Bon. Quelqu'un a pris la manette ou pas? Aïe, aïe, oui. Tu vois, Alex, là. J'espère pas avoir la qualité maximum en stream. Ah bah oui. Ah bah non, mais t'as très peu de streamers aujourd'hui qui ont les moyens. Déjà, on va parler de moyens. Moi demain j'aimerais beaucoup hein les gars, écoutez, on trouve une marque ensemble qui me fait un PC à 5000 boules. Il y a no sous ça et je vous stream tout en 1080. Mais vraiment. Mais dites-vous que là, en 720, 30 images secondes. Alors déjà vous verrez pas tout ce live en 1080, de 1. En 30 images secondes, là en 720, 30 images secondes avec le jeu qui tourne, je suis clairement avec un processeur qui tourne au moins à 80%, avec une carte graphique qui tourne à 80%, avec de la RAM qui envoie PP. Mais si vous voulez, moi c'est tout est faisable en fait. Sachez comprendre que le jeu est pas forcément aussi beau sur le stream que ce que vous voyez, enfin est moins beau que ce qu'il est. En vrai, il est pas. Vous m'avez compris ou pas? Ouais, si, je crois. Oui. Oui. Hein. Il ressort moins bien en live que ce qui est normal. Moi, je le trouve agréable en tout cas. Bon, mon avis, c'est que pour l'instant, je le trouve vraiment agréable. À part 2-3 petits points où je dis ouais, je sais pas. Mais très peu. Donc pour l'instant, moi, je prends mon pied. Je crois que c'est le principe en fait quand je joue un jeu. Comme vous, je pense. C'est-à-dire, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que quand tu joues au jeu, tu kiffes? Oui. C'est cool. C'est cool. Je prends un exemple, il n'y a rien, un truc qui m'énerve le plus au monde, c'est quand je vais faire du karting. C'est pourquoi je suis tout le temps énervé au karting. C'est classique au possible. Parce que j'y vais, je paye 15 balles. On n'est pas dans un univers fantaisiste. Hein. Je paye 15 balles, ça vous est pas arrivé ça, d'être dégoûté d'avoir payé un truc style au karting? Tu vas au karting, tu vas avec tes potes, et là tu te retrouves avec d'autres mecs, et les mecs ont envie de faire les cons et font n'importe quoi. Tu peux pas tourner tranquillement. C'est toi, t'as juste envie de tourner tranquillement, et les mecs ils font les cons, et ils te rentrent dedans, etc. Et là, t'es dégoûté limite d'avoir payé 30 balles de session avec les mecs. 15 ou 30 balles, tu vois. Bah, c'est pareil pour un jeu. L'idée, c'est de te dire est-ce que t'as passé un bon moment ou est-ce que t'es dégoûté? Est-ce que tu te dis ce jeu en fait, merde, fait chier, j'accroche pas? Ou est-ce qu'il vaut le pognon que j'ai investi? Alors, après, l'autre question, c'est pourquoi ça doit valoir ce pognon là? On le voit même sur des jeux indés qui commencent à valoir 60 balles parce qu'ils font un retour sur investissement aussi. Ça arrive régulièrement. Bah, de toute façon, ce sera un débat qui ne finira jamais parce qu'on aura tous des points de vue différents. Mais Alex, les jeunes d'aujourd'hui ils connaissent pas le karting. Tiens, Alex, regarde les écrans là. T'es où? Je suis là, t'es où? Ouais, je suis là derrière toi. Ouais, tu vois tous les écrans là qui sont éteints? Regarde, là ça va se relancer. Oh, ça super. Oh lol! Bah en fait là toute la ville est dans le noir et c'est pour ça que c'est bien de l'avoir fait dans de nuit. Et nous on l'avait fait de jour avec Will et du coup on n'avait pas forcément vu la différence. Je crois qu'ils se font attaquer dans le jeu. Plus important de l'autre. Oui, ouais, c'est la vie. Ouh, le 13 000 en critique. Il n'a pas un qui est... Et ah.
Si vous voulez que ma mitraillette est sur un mec et qu'il va crever, laissez-la terminer en fait. Elle va gagner 10% de temps. Ouais, enfin après un dégât ta mitraillette. Hein. Elle fait pas juste là, un en fait, dégât, pour, Michel. Regarde ses dégâts. Ouais, faut que j'augmente. La mitraillette, c'est pas un truc qui fait des dégâts en fait. Ça. Attends, que ça prend la grosse. Ah si, dès que je vais l'augmenter, après elle va faire masse dégâts. Ça met les. Fais gaffe, y'a un sniper. Voilà, ça met les ennemis sous suppression. C'est comme moi, j'ai la tourelle de feu en fait, ça les enflamme. Mais tu l'as chopé où la tourelle de feu? T'améliores la tech. Bah là, tu pourras l'avoir après. Après cette mission. Tiens, je suis meilleur sniper que toi. Normalement, ça se remet en route quand le sniper est mort. Sniper 4. Là, tu as rien. Et un écran, il est cassé. Voilà. Voilà. Sans sous suppression, du coup, il sort jamais. Oui. Ah merde, y'a des mecs derrière moi! Attends. Moi j'attends le sniper. Oh mais la blague quoi! Je crois qu'il est un peu débile en fait le sniper. Mais en fait c'est sous pression mais il se fait toucher par la tourelle. Et là. Oh. Mais non mais t'en penses pas! Derrière. Avec Magritte, on est dans un camion, nous. Faites ce que vous voulez. Les écrans qui reviennent petit à petit. Moi, je suis pas trop dans le bon angle. Ouais, bon, on est un peu au milieu des. Un peu bloqué avec les. Il y a un autre sniper à droite. Il y a un ravitaillement pas loin. Je t'avoue qu'un ravitaillement ça serait pas de mal. J'ai sorti la mitraillette. Oh là là, le fail. Oula. Bonjour. Oh la blague. Oh la blague. T'as vu ce qui s'est passé ou pas? Non, j'ai pas vu, mais bah, en fait, Magritte était parti, je voulais aller le sauver, mais en chemin. Non, tu m'as. Bah, je me suis retrouvé par terre. En fait, j'ai plus le reste et ça m'a relevé aussi. Bah, il a mal vu, Lance-Pierre. Oui, il s'appelle Lance-Pierre. Je sais pas. C'est le boss. Allez, monte-moi ta tête. Ils ont un peu des noms. Des noms du futur. Noms du futur, futur, futur. Voilà, ça c'est fait. Oh putain, tous les écrans sont allumés. Oh lol. Stylé. Stylé, tous les écrans qui se sont allumés. Niveau 16. Oh putain, mais j'ai pris Allez, un bon level dégrade. Là. Oui, j'ai fait un demi. Ah bah non, Magritte, cassez pas les écrans, viens de les rallumer, nom de Dieu. Bah bravo! Bravo, bravo, hein! Ah bah t'es cet agent, ça ils ont dit c'était un symbole! C'est quoi tous ces trucs là-haut? Là, y'a plein de noix là-haut. Y'a massivement, ouais, y'a des gens derrière. Bon, magnifique! Alors on va se terminer cette zone. On vient de faire ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Y'a un ravitaillement dans le coin? Ouais, juste là où je suis. Non, on va dans les Dark Zone. Mais là tu peux aller améliorer ton L-Tech et prendre ta tourelle lance-flamme. Ouais, on la prend après, on va finir cette zone tranquille. Ah mon souhait, mais on monte une demi-barre PV quoi. Ouais, j'irai faire. Je suis à 36 sur 47, on va finir, on a deux missions, deux ou trois missions là. Et puis après, on fera un tour par la maison et puis on ira faire après la dernière zone. Hilary.
Clinton. Fais un smiley sur l'écran. Ouf, New York est sauvé, la pub est revenue. Telle, tu m'étonnes. C'est comme si on enlevait la pub chez Webedia. Hein. On aurait des problèmes. Ah bah c'est pareil quoi. Ah, il faut maintenir tab, j'ai une nouvelle preuve de vidéosurveillance. Ah putain, faut monter, ça sent pas bon ça. J'aime pas quand faut monter. Ah, c'est les agents de la première vague. Ouais. Ah, moi, la dernière fois que je suis monté, on m'a poussé. Je croche pas. C'est faux. Pas du tout ce que vous voulez dire. T'inquiète, il nous reste cette mission là. Ah, d'accord, ils se sont fait. Ils se sont fait gank. Ils se sont fait ganker, ouais. Appuyez sur le bouton. Atteindre le toit. Arrête, non. C'est une alarme. Ah, et pendant ce temps-là, ils font la. D'accord. Faut rusher. T'aurais pu leur montrer une super cinématique. Ah, merde. Il a décidé de rusher l'histoire. Le mec. Bah, je savais pas non, ça. C'est bien, c'est. Non, mais tant mieux, c'est spoilless. Hein. Ouais, ça spoil pas. Mais elle est où la cinématique? Moi j'avais zéro cinématique, Maurice. C'est la caméra. Ah, mais je les montre pas les caméras, j'ai dit. C'est pas une caméra. Oh, ouais, c'était une preuve. Putain, ah, j'étais pas si fort pour monter là. Là, ici, là sur le caméra. Faire le quartier, quoi. Ah, plus de bouclier. Appuie de bouclier. Y'a quoi, tu appuies dessus avec ton bouclier? Non, il est cassé. Ah, il n'y a plus de bouclier. Donc j'attends le talent. Ouais. Attention Alex. Faut Alex il reste dans la bombe. Ouais, on reste pas dans la bombe. Oh, putain, c'est B à chaque fois. Au lieu de faire V, je fais B. Il va nous rester un peu de minute 30 là. Ah, sniper, ouais, il fait super mal. Il fait mal les snipers. Il y a Bobby qui rush. J'active. Activation. Allez-y, mon Wiz. Le générateur. J'ai tapé le code Kappa. Ça a l'air de marcher. Kappa, Kappa, et Kappa, Kappa. Ouais, par où on passe? Synchronisation. C'est pas par là où je vais. Je crois. Putain, il nous reste 50 secondes. Faut courir là. On va être just. Ah ah, je suis pas malade du tout. Oh, appuie. Non, c'est bon là, c'est là. La clé. Oh, putain. Voilà. Comme ça c'est fait. Il y a un coffre. Hein, c'est pas. Ouais, ça. Ouais, je vais faire un coffre. C'est à moi. Ouais, mais dans cette zone, il va nous rester cette mission secondaire. Il était juste là où je suis. Ah, il est là. Il est où? Ah, il est là. C'est bon, je l'ai déjà pris. Putain, Musa! Fais la queue, nom de Dieu! Tu vois qu'il t'a. Arrête, on se croirait à un enregistrement. Passe pas. C'est ça. Ouais, alors, hop. Encore, maintenant ils attendent avant, ils se bourraient tous. Merci, ouais. Le chat, il disait à tes souhaits. Ah non, moi il faisait la queue, hein. Moi je suis passé devant tout le monde et. Pareil. Team connard. Bonsoir, c'est nous. Il nous reste un dernier de la zone là, normalement, et après on aura fini Times Square. Moi quand j'arrive en zone, je dis bonjour et tout quand je rentre dans les camps. Salut. Salut. Hier, Ekoro, c'était bon. Tu rentres dans la zone et tout. Ouais, hey, salut les gens, comment vous allez et tout. Y'a personne qui répond. Plus. Oh non, par contre, ça t'a plaît. Ouais, il est beau lui. Je peux le prendre pour la maison. Non, je peux le prendre pour la maison. T'as pris un canapé. Ah non. Pour un cadavre. Ah, Les pendres. J'ai un nouveau lustre, regardez. Ah mince. Tu mets des ampoules dans les yeux. Ça va toi, t'as pas peur. Moi je me suis dit qu'il y a bien quelqu'un derrière moi qui allait le shooter quoi. C'est pris une balle dans la tête. Oh, j'ai un stuff. Surprise. Je suis content. Pas pour une carte un peu comme cinétique, je crois. J'arrive plus à switch d'armes. Molette. Il a tout cassé le jeu. Ah non, ok. Non, il considérait que j'avais encore le bouclier. Alt F4. Attendez, je le fais. Flash tendance. Pourquoi j'ai un écran noir? Pom, 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 pom. Mec, il a tous les bugs d'un coup. Bah, au moins, c'est fait. T'as peut-être les bugs pour la journée, c'est pas. Moi, j'en ai pas eu encore à part des déconnexions de serveurs machin bidule. Ouais, mais ça, c'est... Est-ce qu'il y a un changement de saison prévu dans le jeu? Je ne crois pas.
Ah non, on reste toujours en hiver. New York en hiver. New York. Rejoignez la zone de l'arcage de ravitaillement. Oh là, c'est New York. Tiens. Bah, juste virer la texture de la neige. Ouais, bah oui. C'est où la zone de ravitaillement? Ah oui, putain, c'est ça qu'on devait faire tout à l'heure sans que ça soit pété. Go, go, go! C'est celle qu'on a fail tout à l'heure. Mais attendez. Peut-être la truc à faire un peu là. Bah, c'est ça qu'on est en train de faire en fait. Ah oui, là. Ah oui, tu ressors des boîtes. Tac, alors elle était où là-haut? Là-haut, là-haut, là. Tu vois? Je sais pas où elle était. Là-haut, là-haut, là. Ouais, ah, mais là, c'est pas celle de là-haut, c'est celle de. C'est celle de derrière, tu vois. Ouais, c'est celle de derrière. Donc faudra après qu'on fonce sur là-haut. Hein. À peine on a fini celle-là, on cavale. Moi je commence déjà à aller là-haut. Ça va aller? Ouais. Faire des agents de la division. Ok, il reste un mec. Et montez, montez, je vais le finir moi. Oh bah Gris a déjà commencé à attaquer les mecs quoi. Ah non mais c'est pas pour ça qu'ils attaquent. Du coup le temps qu'ils te montent le point, regarde, voilà, ils te mettent juste le point, ils sont déjà sur place quoi. Y'a les gens là. Oh what? Viens en haut, tu peux venir me raser. Oh, en bas, comme elle a volé. En fait, je suis par terre, mais tu peux me relever quand même. Putain, en bas, en bas, en bas. YOLO, les gars, faut y aller. Non, pas YOLO. Je suis en réanimation, là, je lui fais du bouche à bouche. Du pot à pot. Ouais, enfin là où t'as tes mains, c'est pas la bouche. Sauf dans le jeu. Qu'est-ce qu'il fait? La caisse, vite des dégâts, courez. Ça, il y aurait eu le friendly fire, ouais. Musa, tu prenais les cartouches avec, hein. Je te le dis tout de suite. Voilà, c'est fait. Moi, j'ai un bouclier. Maintenant, il me dit donc de retourner à la planque, vous voyez, qui est ici. Donc, quand vous avez fini votre zone, comme là, alors, il reste des collectables. Il reste des collectables. Ouais. Vous faites X déplacement rapide confirmé. Je vais y aller automatiquement en TP. Non, ce qui est pratique. Je vais rendre la quête et on aura fini cette zone de Times Square. Il restera les collectables à prendre. Les collectables que j'ai pas. J'en ai pris 2-3, mais j'ai pas tout pris. Et donc, faire le rapport à Jean-Claude. Ah, j'ai pas pris le coffre, ouah. Pfff. Quelqu'un, c'est la carte graphique qu'il utilise, ouais, ça a été dit. Il y avait 4 légendaires. Hein. Hop, hop, ça va être l'heure de la pub. Putain, tu vends un masque violet, level 16. Ouais, 9000, c'est hyper cher. J'ai 18000. Ouais, moi aussi j'ai 18000, je me tâte en fait, il est ouf. On va le changer dans 2 heures. Hein. Ouais, c'est ça, un masque d'entrepreneur à 10000. J'ai pas le masque violet, moi. Parce que j'ai plus bas niveau. Peut-être. Masque d'entrepreneur niveau 16, ouais, non, tu sais quoi. Je vais le looter, mon stuff, c'est pas très grave. Alors, on va aller à la maison juste avant le. Après, on reviendra. Donc, on reviendra faire. Il y a quelqu'un qui vient d'activer Clinton, non? Non, j'ai pas fait la planque encore. C'est toi, Gris, et quoi? Ouh, schéma M40. Tu sais quoi? Je vais pas me prendre la tête. Je vais vendre tout ce que j'ai en stuff de trop là que je veux pas. Et on va faire Clinton dans la foulée, c'est pas très grave. On augmentera mes ailes après. Alors, attends. Qu'est-ce qu'on a d'un 4000? Ah oh, un ACR à 4600, c'est pas mal ça. Je vais te vendre. Par là, l'ACR à 4600, c'est pas mal du tout ça. C'est pas mal. ACR à 6800. Ah, 6000, tu l'as l'ACR? Ouais. J'ai un niveau classique. Ah, mais non, j'ai le même niveau classique. Il est niveau 14 à 7146. Ah non, le Scarash. Ah, pourquoi il compare avec le Scarash ACR avec. Ok, il compare avec le Scarash. Attends, on va faire ça. Je voudrais comparer l'ACR, s'il te plaît, Michel, G. Et la K47 a des meilleurs dommages. Hein. Il a des meilleurs dommages.
La K47, c'est juste la précision qui est pas ouf du tout. La précision d'un AK-47, c'est pas... Ouais, je vais pas me faire chier pour une arme, franchement. C'est quoi, on va revendre... Juste comme ça, pour vous expliquer à quel point le stuff monte vite aussi, parce que c'est des phases de PEX, en fait. Des preuves, ok, hop. Vous la verrez pas, c'est normal, moi je la regarderai après. Pour vous montrer à quel point ça change, c'est que le stuff, vous voyez, on en loot beaucoup. Donc il y a pas de... C'est pas très grave. 91, non, hop. Je suis encore en train de level up. Hein. Ouais, ouais. Oh là, 4183, non. Le seul truc c'est les mods, j'avais regardé, rien de ouf. Je ferai du décraft plus tard, j'ai le temps aussi pour décraft. En fait il me manque pas mal de bleu mais... Alors attends, t'es un vendeur toi? Nickel, je vais te vendre des trucs. Allez vas-y, vends-moi tout, on va se faire un peu de thunes et on fera du décraft après. Parce qu'en vert en fait j'ai plein de trucs, là il faudrait que je commence à décrafter du bleu. Mais en vert j'ai masse trucs. Je peux convertir un 5 pour 1. Ouais c'est pour ça mais... Quand j'ai du bleu, tu vois, sous la main, j'ai 2-3 bleus, je vais les décrafter et puis. Vous voilà, avez un PV, je sais pas si je vais le garder. Plus 3% de portée de la vraie intelligence. Le PV, j'ai 6750. Ok. Ouais, je suis à 11000. 4700 de DP. 11000 PV ? Ouais. Ah, tu peux... Mais je mets full PV. Moi j'ai 5000 DPS, 6000 PV. Vu que je me mets. Okay. Alors voilà, là le problème pour moi dans le jeu, c'est que quand je veux des crafts, vous voyez, je suis obligé d'aller dans chaque rubrique. Il me dit pas vos équipements. Tu peux tout cocher, mais c'est relou. En fait, tu fais toutes les catégories et tu les craftes tout à la fin. Ouais, mais tu fais V, tu marques tout. C'est ça que je trouve un peu dommage, quoi. Mmh. C'est le truc, moi, qui m'embête un peu. Tu vois, c'est la gestion de ton inventaire que je la trouve pas hyper dingounette. Vraiment. Je trouve que ça pêche dessus. Hop hop, on a tout fait. Bon bah magnifique. Mesdames et messieurs, vous quittez pas. On fait la pub. Combien j'ai de thunes? Je voulais voir ça. 25 000. Bon, ça, j'ai un peu de thunes de côté. De toute façon, vous allez voir qu'il y a notamment des vendeurs qui vendent des trucs assez sympas. Mais ça vaut une blinde quoi. On va garder des sous là. C'est bien. Tu vois, genouillères, niveau 16, gants. Ils sont souvent en vente des trucs. Hein. C'est à la base d'eau. Alors tout change. Ouais. Tout change tous les 24 heures. Hein. Tous les vendeurs ont un nouveau stock tous les 24 heures. On va se ravitailler aussi. Bon, vous quittez pas, mesdames et messieurs, on marque la pub. On revient juste après 5 minutes de pub. On est ensemble avec vous jusqu'à 15h en compagnie de Musa, d'Oro et de Magritte. On est sur The Division. Ça va, tais-toi, Martine. Ouais. Tu vois pas que j'en lance la pub là? Vous pouvez pas passer à côté de ça. Mais si, je vais passer à côté. Et à côté de toi, on en a rien à foutre. Allez, quittez pas. C'est la pub. On arrive. Il est 13h29 et vous regardez Gaming Live, la web TV de jeuxvideo.com. Je suis Click, vous êtes les viewers et nous sommes ensemble jusqu'à 15h en compagnie de Musa, d'Oro et de Magritte. Ouais. Oh, il y a un coup de banjo là. Qui c'est que joue du banjo? Jean-Claude, c'est toi qui joue du banjo? Attends, on va dire bonjour. T'as du banjo toi? Hello. Hello, bonjour, Alex Pin. Alex Pinel. Alex Pinel, sorry. M'entendez en jeu ou pas? Oui. Ah oui, d'accord. Hello. Je t'entends alors que je suis bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Salut. Ah bonjour, ça va bien la forme? Ça va. Pourquoi t'entends les... Ah mais des cons putain, Magritte, ferme ta gueule on a dit. Je parle à Alex Pin, je croyais que c'était lui qui me répondait, j'étais content. Putain mais quel connard. Je voulais me faire un ami, attends on va trouver un autre ami. On va trouver un autre ami. Pourquoi t'es en pompier Musa? J'en ai marre. Musa, en fait, c'est la Fashion Week avec lui, il y a toujours un habit différent. Voilà. Quoi? Attendez, je vais dire bonjour. Non, mon habit de pompier. Hello, hello, bonjour, Johan Sung. Bonjour, hello. I'm looking for friend. Vraiment, personne de sympa sur le jeu. Hello, bonjour. Avec un nom comme ça, les Coréens. Bon, bah, on se casse, voilà, on se casse. Il y en a marre, personne n'y va être notre copain. Cassons-nous du banjo. Tous mal polis, en fait. Bande de mal polis. Alors, sur la carte, nous allons donc commencer. Cette zone qui est la zone de Clinton, hein. On va aller hilariser un petit peu. Clingon. Allez, tout droit. Tout droit, toujours tout droit. Que du bonheur. Je sais pas pourquoi Twitch est vraiment PLS aujourd'hui. Que vous dire. Aujourd'hui? Cette semaine. Ça fait un mois. Ce mois-ci. Cette année. Enfin, j'ai même plus mon retour. Je ne sais pas si vous me voyez. Je vois le chat, c'est mais c'est tout. Ah, tu me vois. Ah, bah si tu me vois alors, oui. Déjà, tu vois. Tu me vois, je vois. Tu me vois, je vois. Pom, 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 pom. Salut! Hey, hey, ça vous embêterait de couper ça. Couchez mes dents.
attaquer la forteresse. Oh, il y a une forteresse. Chérie. On va d'abord aller. Qui l'a tué ? C'est quelqu'un vient de buter le chien, c'est ça ? C'est musée, c'est tous les chiens. Ah, d'accord. Je vais déjà. Le bruit. On fera les chefs. Oh, si, oh, quoi qu'il est là, éliminer le chef 40 mètres. Il est où, Michel ? C'est tentant. Ouais, c'est tentant, on ira à la planque après. Bonjour ! Tata ! C'est la DDE ! Oh putain, ils sont 15 quand même, hein ! On va peut-être arrêter nos conneries. Oui, ça nous a 14-15. J'arrive en fait. Ah, mais y'a un boss! Ouais, éliminer le chef! Oui, oui, éliminer le chef! Attends, moi je tire dans le sac à dos! Dans éliminer le chef, y'a chef, hein! Sac à dos! D'accord, ça lui il est arrivé, il m'a mis une balle, quoi! Les ennemis sont 7 niveaux au-dessus du vôtre! Pour ça, là, tu peux aller chercher, tu peux aller rechercher ton perso! Non, hein. Il est 22 avec ça! Tiens, Maurice. Je crois que mon perso est sonné, j'entends plus les sons pareils. Ouais, pareil. Hutch. Hutch aussi. Je suis bloqué. J'étais bloqué dans un sac poubelle, quoi. Ah, y'a un kobold qui me tire dessus. Derrière nous. On l'a en permanence le son Je sais pas, non, normalement. Il est peut-être toujours dans la zone, essaye de sortir de la zone et tout, non ? Ah, je vais me faire déboîter la rondelle. Ah, mais on m'a abandonné. Ouais, on s'est replié un peu sur la route, nous. Chef ! Bah oui, vous savez courir, ma Grittor. Corvée de patates. Ah bah là le son est revenu, un nom de dieu. C'est le chef. C'était un chef boulkies. Ah, je vais aider Magritor. Magritor, tu ne mourras pas ici. Ou peut-être. Arrête. Merci. Gollum, hein, ou je t'en colle une. Abruti s'est fait sauter. Bon, donc on allait aller à la planque à la base. On peut y aller. Moi, je vais fouiller s'il doit y avoir des coffres. Oui, hein. T'as la planque ou... Ah oui, c'est la. En fait, on va, je voulais aller à la planque. On passe une par secondaire, là. Là, on vient de faire une secondaire. Je sais pas où vous êtes. Là, je cherche le coffre. Non, oh, baby. Faites la queue, Musaren. Non, non, parce que j'en ai un peu marre, moi. Mais putain! Et je t'assure que je vais te bloquer, voilà. Avec Magritor, on te bloque, tu pourras plus jamais sortir. Ah! Dehors. Une fusil de la police. Oh, un lance-roquette. À chaque fois, il y a un lance-roquette. Allez, je vais à la planque activer toutes les missions, ça sera fait, et puis comme ça, après, on se fait toute cette zone de Clinton. Oh putain! Non, parce que je crois qu'il y a du monde. Banzai! Ils sont pas super, super amicales. Pas des masses. Pas content qu'on vienne d'avoir capté, je crois. Pacification! Putain, moi je sers juste à aller à mon pied à terre. Il est où mon pied à terre, putain? Il est là-bas. Vous tirez sur quoi, les gars? Là, il y a encore des gens derrière. Mais non. Il y a encore un mec d'ailleurs. Pom pom pom. Ah bah c'est là la maison. Par où on rentre? Bah.
au-dessus de moi. Bah, comment on rentre dans la maison? Comment on rentre dans la maison? Je suis pas totalement con, apparemment. Flèche. Bah, je suis la flèche, mais... Ah, là-haut, ok, d'accord. Ah, ok. C'est une maison sur un toit. Bonjour. Ils sont pas super amicaux, en même temps, c'est toi, Alex, qui les a grenadés. Je les sentais pas. C'est pour ça aussi. Je les sentais pas des masses. Bonjour, ça va? Ouvrir. Bonjour et bienvenue chez Wolf. Oh putain, mais elle est pourrave. C'est la pire plan qu'on ait jamais faite. Allez, t'as chier. Ah, allez, pourrave. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a un terrain de basket sur le toit? Attends, prenez pas. Ouais, vas-y, j'allais dire Alex, vas-y, prends-la toi pour montrer, t'en parlais hier. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ce mec-là. Et le tableau qui est ici, voilà. Juste là, vous prenez ces deux-là. Et hop, ça active toutes les quêtes de la zone. Maintenant, on n'a plus qu'à les faire. Voilà. Donc, hop. Et des chiottes et tout là, si tu veux. Faisons notre petit tour, il n'y a pas tant que ça, c'est qu'on va faire tout le tour, on va descendre, on va faire ça, ok. La rencontre, la mission secondaire, la mission principale, on finira celle du bas et on remontera tranquille. La vie. Allez, on y va. C'est parti. Ah oui, pour un bon pistolet. C'est parti, mon kiki. Il y a beaucoup de lits. Ouais, bah ouais, bon. Pourrave le truc, quoi. Si t'as plusieurs copines. C'est si tu veux un endroit, quoi. Si t'as plusieurs copines, bah tu prends un grand lit au pire, hein, mais pas, pas 25 petits quoi. Ça, tu vois, dans l'idée. 25 dans un lit. Bah et alors tu prends un grand lit, un king size. C'est une grande soirée. Un grande soirée quoi, sur mesure le king size. T'as jamais vu le lit de Vandamme? Non. Je veux pas être invité dans son lit personnellement. Et soit il fait un truc 4 mètres sur 4. Putain, il commence à être résistant là. Hein. Direct, c'est peut-être moi. Ouais, c'est moi. Oh là là! C'est pas obligé de me pousser. Je vais me cacher avec vous, hein. Ouais. Mais il est temps avec toi. Mais il est temps avec les videurs. Non, bon, en fait, hein. Falloir que je commence à loot des armes intéressantes là, parce que ça commence à. Bon allez, on va voir le chef là. Chef! Eh dites chef! Bonjour, c'est la division, ça va? Ils sont le loot. Comment ça? Faut qu'on vous protège! Non, non mais on n'est pas d'accord hein! Putain mais faut qu'on aide tous les pélos du coin quoi. C'est ça. Là ils arrivent par l'arrière. Ouais. Brûler! J'ai l'impression que j'en ai un à l'étage. Et ouais, il y a le sniper là. Vas-y, sors ta tête, snipeuse. Je vais m'occuper de ton cas. Oh, je l'ai tué pendant qu'il sautait, cet abruti. Mais t'as vu ta reset en plus? Ouais, ouais, mais parce qu'avant c'était un Yamakasi. Ça vous dérange pas la chaleur? Pourquoi? C'est pour se mettre tout nu, madame? Ou... Oh, Michel, il a décidé de nous rusher violemment. Aïe. Ma Victor a décidé que son cul explosait. On reste 14 balles. Hein. Oh ma Victor, ça t'a popé dans les fesses. Autant tu dire que tu vas pas passer un moment sympathique. Hein. Putain mais Maurice, quand on vient de les aider, ils se mettent devant moi, mais parlez-vous.
Oh, il a mis une flèche. Mais oui. Alors, la suite. La suite, nous sommes... Ah bon, on était là, d'accord. Bah, on va là-bas. Ah bah... Mais... Bon, on va là-bas. Ou alors on passe par l'autre côté. On va faire ça, la mission. Ok, on va faire ça. Non, je le sens bien, comme ça. C'est par où là, Eric, c'est là-bas. On va faire le tour inverse, que j'aimerais bien montrer avant la fin du live le... Je pense qu'on aura fini la zone, mais... Ah, téléphone. Écoute, maman est près de toi. Je crois que je l'ai pris, hein. Bah, il... Ou apparemment. Oh là là. Nous on n'est pas des flics hein. On est juste la division monsieur. Mais on n'aime pas trop vos propos. Comme on a décidé d'appliquer la loi martiale. Martial, viens ici. C'était complètement nul, je suis désolé, je m'excuse. Pom 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 pom. Eh Michel, tu tapes sur quoi là? Sur les bambous. Tape sur le civil là. Ah, pas du tout monsieur hein. Je crois qu'il était mort. On est pas d'accord. Bah oui mais tu tapes pas sur les morts. On tire pas sur l'ambulance, nom de Dieu. Pom 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 pom. Bon ça monte bien, je vais arriver level 17. Ouais ça monte vite quand même hein. Mais du coup j'aurais pris 3-4 levels. Et là on est à 4 hein, donc c'est, on a plus de monde à taper. Localisation, bon, tiens on se fait l'agent vite fait. Ça sera fait hein. Et après on repart sur C'est un collectable mais faut le faire. Bah voilà. C'est fait. On peut y aller. Attends, je donne à manger aux pauvres. Je donne à manger aux pauvres. Oui, Magritor fait dans le social maintenant. C'est pour ça que il donne des pantalons. Pour ça que tu t'entends bien avec les mots, avec les... Tu lui donnes à manger, tu donnes son pantalon le gars. C'est vrai, il t'a donné un froc. Oui. Ah, oh, ça me fait plaisir, j'avais pas mangé depuis longtemps, je m'en fous qu'il fasse froid, voilà mon froc. Mais monsieur, c'est étrange. T'as l'air rien, hein, moi sur mon téléphone, il était tout content parce qu'il avait. Il a dit j'ai touché le jackpot, il a eu un sac de café en fait, il était tout content. J'ai touché le jackpot, j'ai eu du café. Il devait tellement en manque. Ouais. Bon, là on a une mission secondaire et puis après on fera la principale. La principale de l'aile médicale. On peut pas conduire un bus là. Putain, ça serait tellement OP d'arriver en bus. T'es arrivé en mode yo lo. On doit être à côté d'une école, je pense. Neutraliser le premier lieutenant. Ah bah ça, j'aime bien cela. Faut taper tout le monde. Abusant. Déjà que je tape tout le monde. Non. Ouais, t'entends bien un bruit chelou, Suzy, je fais what. Il a tué le chien. C'est pas ouais. Moi. Moi, je suis tué l'air, hein, pas les chiens. C'est quoi ce bip? Rendez leur la queue. Fais gaffe, non, mais t'as. Ah, bah, je tu sais, il active les bombes quand même. Ouais, ceux-là rigolent pas des masses, hein. Non, surtout que le zone ici il fait super mal. Moi je vais partir en balle explosive. Moi je serais juste assez pros pour l'XP, mais. Malgré derrière toi, y'a un mec sur ta droite. En fait, moi je suis à la balle explosive. Dans la tête. Moi je suis à la balle explosive et toi t'es à la balle incendiaire. Tout va bien. Le mec il a tout compris. J'ai mis 13 000 dans la tête. Utilisez-les vos balles explosives et incendiaires. Hein. Vous, dès que vous revenez à la maison, vous pouvez en ravoir. Ça, vous... ça vous les remet donc. Non, mais il faut le gaz spécial quand même. Oui. Cool, on fait l'inverse. Des incendiaires, enfin l'inverse parce que comme il y a. J'aimerais bien qu'on couche le sniper avant en fait. Ouais. Oh là là. Oh la blague. Merci. Vous donne combien d'XP les mobs?
Je sais pas, j'ai pas trop regardé. Ça augmente vos dégâts, mon truc, hein, si vous êtes couvert. Bon, ça c'est fait, hein. Les snipers en haut, hein, qui va être chiant. Il va sortir la tête. Sors ta petite tête. Vas-y, Marcel. Pim pam poum, on peut avancer, hein. Bah, Gritor est arrivé en dessous, il a fait alors qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Avec le bouclier, c'est craqué. Allez, maintenant faut qu'on tue Simon. Oh putain, il est là, Simon! Je suis allé à la balle incendiaire là. J'ai 3 buffs d'activer là. Putain, le sac à PV. Oh, je l'ai mis le feu. Oh, la PV qu'il a. J'y viens. C'est juste là. La masse PV. Je colle une dans la tête de PV, bouge pas. Alex, à un moment donné. Oh là là, oh là là. Bah, j'ai plus de munitions de rien du tout. Il a bientôt plus de bouclier. Il recharge, il recharge. Putain, j'ai plus de balles, c'est la loose. On y va au plein, hein. Je vais garder ce qui me reste de mitrailleuse. Oh, il défonce mon bouclier en 2 secondes. Voilà. On recule, on recule, on recule, on recule. J'ai pas de munitions. J'ai ma mitrailleuse, je suis fou. Ouais, moi c'est pas le cas. Moi je vais y aller au pistolet. Il peut tirer dans la petite boîte rouge qu'il a derrière lui. Il recharge. Putain, le nombre de balles, Maurice. Putain, t'en auras calé un petit peu. Elle a loot deux bleus dans un M4. Oh, un M4 bleu. Ça, ça peut être rigolo. 30 000 d'XP. Ouais. Il m'a looté une bombe nucléaire. Les clés d'un Hummer. Un petit Fat Man. Un petit Fat Man, tranquille. Un Hummer H1. Les clés d'un H1. Bon, et ça, c'est pas la mission principale. On va aller la faire, la mission principale qui est là-bas. On va juste voir au niveau de mon inventaire ce qui donne le petit M4. Ah oui, le M4 classique là, qui est un fusil snipeuse à 5187. Donc on va passer au M4. Ça fera moins de dégâts, c'est des chargeurs de 10, mais ça fait vraiment très mal. Là où je suis amusant. Alors je vais garder qu'un seul fusil sniper à chaque fois. Hein. Alors certains vont préférer le M1, le M4, etc. Moi je vais garder qu'un seul. On va virer tout ce qu'il y a dessus. Hop, confirmer. Hop. Et donc on va. À l'étage ? En dessous, en dessous. Hop. Ah, tu m'as vu voir là-haut, hein, ce qui est. Hop. Il y a un mort sur une chaise. Hop là. Tac et tac. Le M4 est pas dégueu, on va le garder peut-être un petit moment. Alors, ça sera pas la même manière de jouer avec. Hein. Là, je pouvais vraiment faire pioup, 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 pioup. Là, ça fait pan, clac, clac, pan, clac, clac. Elle est où la caisse? Derrière. Non, dans cette pièce, il y en a 2-3. Un M60. Alors, le M60 est intéressant, mais en fait, c'est plus pour du tir de soutien. En fait, vous allez viser quasiment en cac avec le M60. Je sais pas si vous vous rappelez de l'arme que j'avais hier soir en live, c'est un peu le même principe. C'est pas vraiment, c'est pas. Ça arrache, ça, c'est de la sulfateuse quoi, ça tire comme un porc. Mais ça peut être intéressant, je vais la garder. C'est pas un M4, non, c'est un M1. Que j'ai. Y'a rien là-haut. Un M1 de police. Bah, j'ai un midi kit, moi, mais. Rien de bien vital.
Comment je suis en balle? Y'a un gars. Et t'as l'approvisionnement. Non, mais je suis bien. Bon, allez, on va aller faire la mission principale. Hop là. Avant la pub, ce sera bon. Bravo. Quelle est l'espèce de raclure de bidouille qui vient de me faire ça? J'ai mal à mon petit corps. J'ai mal à mon. Putain, mais je continue à perdre de la vie là avec tes conneries. Et j'ai plus de soins. Ouais, t'es blessé. Bah oui. T'attends que ça passe. Allez, mission. Mission santé. Oula. C'est qui vient encore de mettre un truc qui va péter là? Non, c'est le bâtiment qui est en feu, c'est. Appartement, au niveau 14. Il y a le feu de partout. Ah, allez. Et cette zone est tellement stylée. Ouais, il est magnifique. L'engagement était un peu violent. Ça, c'est un civil. Moi, je tire sur le civil. C'est pas ça, un civil. Ah non, elle est pas mal, putain. En plus, c'est multi-coup. Il fait boum, toi. Non, c'est plutôt pas mal. Elle est plutôt pas mal, celle-là. Il y a une alarme. Vite, on va voir. Bonjour, c'est la police. Il y a une alarme de proxy. Tant mieux, j'ai bien foutu. Troll des papiers. 10 divisé par 2. Il y a du monde là. Il devait être éliminé. La question, c'est pas contrôle, c'est juste troll. Troll des papiers. C'est pas contrôle, c'est troll. Ah, il y a un sniper. Je suis mort. C'est un détail, ça. Vous avez la cover de ma. Aïe, aïe. De ma traillette. Hein. Ah, y'en a un deuxième. Deuxième sniper mort. Magri? Y'a un mec qui est sur tes fesses. Ah, bonjour. Mais vraiment, en mode il a cru que c'était la fête quoi. C'était la fête, je mérite. Ok. Ouais, au revoir. Des bisous. Oh putain! Magri il a fait bisous, il a fait what the fuck. Une ça a pété! Cassée. Oh les PV qu'il a encore. Je suis tout le tour. Oh putain. Ouais. Ah j'avais enflammé Maurice au pistolet hein. Ah mais c'est un violet le sniper. Ouh le 55 000 Oula. Dans sa tête. Il y a des gens qui brûlent en fait dans la maison. Merci. Putain, tu galères à l'avoir, il te fait 120 d'XP. Il y a un sniper violet. Ah ouais, je l'ai. Ouais, j'ai pas aussi là. Dès qu'il sort, je l'ai en colune. Va faire boum. Il est mort. Bon. Oh, c'était peut-être que je l'ai mis. Où ils sont où les gens qui crament? Pom 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 pom. Tranquille, petit cabanon, 3 étoiles, personne fait péter les bombes derrière moi, non, je suis pas d'accord. Vous êtes passé par où les gars? Ah, par en bas en fait. Non, c'est... Ok. Avec Musa, on est juste pas au bon endroit, tout ouais, va bien. Il y a des gens ici. Bonjour. Ouais, ils sont partis. Les femmes et les enfants d'abord. Moi je fais qu'un pompier donc je risque rien, Musa il est en habit de pompier. Je panique même pas quoi. Salut, il y a un ravitaillement. Venez de croiser vos alpha ici, Tango Zulu. Tango Zulu pour... En fait je prends pas de dégâts de feu avec cette tenue. C'est vrai? Non, c'est pas. Je sais pas, ça aurait pu être RP le truc. Tellement fumé, ça aurait été bien, ça aurait été logique en soi, mais... Ou une réduction des dégâts de feu. Attends, je vais dedans pour voir.
Ah si si, je prends. Eux les pompiers ils prennent pas de dégâts parce qu'ils ont fait un explose. Mais merde merde, mais faut que je me soigne là, pas que je... Ah mais c'est une tourelle qui fait mal. C'est malgré. Quoi? Putain, mais y'a pas moyen de... Je t'avais même pas vu. T'es où? Je suis caché dans la neige. Et comment tu fais pour t'en bouger? Technique, technique secrète. Je sais pas, moi je crois que c'est un cadavre normal. Putain, mais vous me faites chier. Ah bah je vais la prendre là. Ah non, ça va. Je suis bien là. Je suis pas du tout rôti, tout va bien. C'est la joie, je suis dans le feu. Et moi je risque rien. Hop là. Ah si, je suis peut-être un peu en feu. Mais pourquoi je prends des dégâts derrière? J'ai pas compris. Mais tu lootes là-bas. On est des... Ah, j'ai peut-être une grenade... Une grenade dans tes fesses? Possible. Ouais, c'est possible. Quand je t'ai relevé, je t'ai... Hautement possible. Il t'a mis un support. C'est un Dafalgan 5000. Du support retardement. Attends, d'abord, regarde dans chez qui on est. Oh putain, il faisait du karting, le mec. Regardez, j'en parlais tout à l'heure. Regarde. C'est un pro de karting. Et des vraies images de chez... Ça, c'est Tati Jeannette, qui est la maman de Jackie chez Ubisoft. Ah, en plus, elle est morte dans son endroit naturel. Dans son endroit naturel. Après, sûr que tu regardes un reportage sur les animaux, quoi. Écho par là. Écho, 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 écho. Bon, les gars, faut trouver des preuves, hein. Alors déjà, le mec avec ton mur comme ça, prenez des photos, hein. C'est un plagiat, ça. Ouais. Moi je couvre le toit. Hein. I couvre the tower. Oui, pas avec le feu ça. Là c'est roof le toit, clic. Ah bon, I couvre the roof. Petite fusion à 3. Individu suspect invisuel. Je répète, individu suspect invisuel. Coucou. L'individu sucerait d'épée. Je répète, d'après nos premières informations, l'individu sucerait d'épée. Ah mais il y en a beaucoup en fait. Oui, c'est sympa. Hein. Oh là, ils sont montés. Aïe, ça pique. Qui s'est fait là avec ça? Ah, putain, Maurice H. Je l'avais pas vu depuis le collège. C'est le beau-fils à Robert Rue. On va avoir des problèmes, je crois. Ouais. Allez, intervention, on y va. Go, 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 go. On est à Fallujah. Non, non, on est à New York. Ah merde. C'est bien, je gagne plein d'XP grâce à vous. Je le rêve. Ah ouais. Voilà, eh, vous ferez gaffe, il y a un gros trou dans le mur. Non, c'est un plafond. Oui. Ah, je crois qu'il faut aller dans le trou. Ah, mais c'est chez moi, ça. Bah oui, c'est ta maison, on a retrouvé ta maison, Magritor. Alors, on est un peu déçus. Ouais, c'est. La déco a changé. Pas de zone de réapparition, ça veut dire rien, boss. Normal. Comment tu fais pour déjà être là, toi? Ah, va falloir extraire les données si c'est sûr. Oh là là, Maurice. On m'appelle. Tireur de litre. Ah, tireur de litre. Exactement ça. Dès qu'on me propose une bière, si j'arrive à tuer des mecs. C'est du matériel de Dark Zone. Ouais. Non, c'est un élite à Dark Zone en fait qui vient extraire les données qu'on a récupérées chez les cartes. Bonjour.
Fais gaffe au sniper en haut, il a une tendance à me faire chier. Y'en a plus. Il est mort. Yeah. Ah, un hélicoptère. 5 minutes pour extraire la preuve. Ouais. Il y a un autre sniper, hein. J'ai plus de vie du tout. Ciao. En fait, ce qui m'embête, c'est le sniper, le sniper du haut, j'ai plus de vie du tout en fait. Oh. Aïe aïe aïe. ça brûle. C'est bon, on a extrait. Oh putain, je suis là-haut les gars, comme une merde. Non, mais on est trois. Ah mais putain, mais vous m'avez pas attendu. Bon, oh mais extrait, c'est nous. Pas vrai d'être des raclures aussi fortes. Mais fallait ils se sont barrés comme des fiottes. Ah mais attends, mais on s'est pas barré. Mais si vous êtes barré. Non, on est mort pour vous. Vous êtes mort de rien du tout, nous on vous fait la couverture snipong. Tu t'as moyen de venir m'aider ou pas, gros? Attends, ouais, bah... extrait les données. Et bah on peut dire que t'as pas fait ton boulot parce que. Bah écoute, vous. Au niveau couverture, c'était pas ça quoi. Oui, parce que nous en tant que pro-gamer, on a les sur l'objectif. Attends. Non, mais vous avez. La couverture, c'était pas top. Excuse-moi. Bon, parce qu'on fait, il y a un hélico, on y va, vous démerdez à la couverture. Et les mecs, ils tracent. Il n'y a pas le temps d'abattre les... Avec nous, on est en galère avec 3 ou 4 mecs et tout, on est au taquet. Il y a des violets, il y a des jeunes et tout. Mais non, tout va bien. Okay. La couverture, non mais... Mais c'est musa, toi. Où sont les objectifs? Là, faut refaire toute la mission, c'est ça? Ouais, toute la fin. Tout le début du jeu, en fait, là, on vient de perdre les personnes. C'est du hardcore. On est à la maison. Moi, je veux bien vous couvrir d'en haut, mais... Parce que faut tout ce qu'on extrait, c'est ça? Non, il y a quelqu'un. C'est son expert des données, en fait. Et ils ont rush sur nous. Tu gagnes rien, il faut tuer les gars en fait. Bah alors attendez, peut-être qu'on se place avec Oro sur les toits. Bah nous on peut aller à l'étage. C'est juste un trigger en fait, dès le moment où tu. Ah bah moi j'étais déjà au fond. Moi je me mets là devant. Moi j'étais encore plus haut que ça. Comment j'ai fait pour. Ah oui, là-haut. Moi je vais tout là-haut. Non, moi je vais. Attendez avant d'attaquer. C'est parti, ça a attaqué, nous ont vu. Je vais tuer les snipers. Hein. Merci. Tu l'as ? Ouais, sauf que c'est un violet donc. Allez, il a plus de PV lui. Snipe en approche. Sniper. Ah je l'ai. Il est quoi, il arrive? Il y a un qui est en bas? Moi je suis en bas. Je t'en comprie. Ah mais il y a une masse de monde. Un jaune en sniper. Attends, y'a pas un violet là, je vais pas le trouver. Ouh, je me suis fait une balle. Oh la vache! J'ai un peu mangé mémé là. J'ai extrait. Je suis au sol. Clean. Enfin, quelqu'un, si quelqu'un peut. Je suis en haut. Ceux qui ont pas avancé, la Musa, je crois, qui était à couvert, tu montes l'escalier. Je suis juste au-dessus en fait. Je vous couvrirai de l'eau. Le sniper, moi. La prochaine fois qu'il sort, il meurt. Sniper jeune. Il y a du violet qui arrive. La Musa, j'étais en fait, t'avais pas besoin de revenir en arrière en fait. Sniper mort. Oui, t'es là-haut. Tu veux que j'aille. La Magritte arrive. Ok. Pa. Ah, merci, monsieur. Il semble bien que Macri l'a dit. Il reste un vieux dans la cage. Oui, il reste plus qu'un clean, j'ai extrait. Non, il y en a deux ou trois, je crois. Mais on n'a pas eu le. On n'a pas eu le boss, si. Ah, si, c'est le snake. Bah, c'était extra en fait. Vu qu'il y a tous les ennemis. Ah, mais il y a toujours un boss en fait, en zone.
J'ai 13 000 dans sa tête. Il est à gauche là, le jeu. Il y a un jeune à gauche. D'en bas, vous allez. Ah, un petit problème de munitions. Allez. Let's go. T'as tous les loot. Couché, Maurice. Il reste un jeune en haut. Ok. Il reste des ennemis. Ah ouais. C'était quoi cette grenade? Il est dans le bâtiment. Il est là, c'est le boss. Ouf, je crois qu'il a pas aimé les balles de snake dans sa tête. Un phal, oh le phal, un phal à 7300 d'épée. Ça, ça me plaît bien. Talent d'armes. Ah, oh putain, j'ai cru quelqu'un avec. Les armes de qualité spécialisées au-delà des talents. Ouais, c'est comme un pistolet au départ. Ouais, d'accord. Je joue mes armes. Bon, bah cool, on va regarder ça. Toi, t'as un bouclier alors. Ouais, y'a des pistolets avec des talents quand même. Genouillère en mousse. J'ai récolté un truc qui s'appelle genouillère en mousse. Que du bonheur. Pour rebondir, fais du roller pour pas te faire mal. Il manquerait plus que t'aies un casque en carton. Alors. Je vais regarder mes armes après. Le nom du pompeux, Super 90 Marine. Tu sens qu'avec ça, ça c'est pas pour faire de la couture, quoi. Tu le sens. Tom. Après, la DZ, ce qui est intéressant, c'est par exemple pour les mods, pour certaines armes et tout, c'est intéressant. La DZ sera intéressante. Après, je sais pas comment ça va se passer, parce que t'es légendaire de la DZ, en fait, ma question. C'est que elles ont des stats différentes selon le level où tu vas les acheter. C'est ce qu'un Cassidy level 17, c'est pas pareil qu'un Cassidy level 30. Est-ce que les légendaires ont les mêmes stats? Ils sont juste planis. Un level requis pour les porter. Est-ce qu'elles sont d'accord? Ouais, est-ce que tu la loot à un certain level uniquement ou est-ce que tu peux l'avoir à plusieurs niveaux level différents? C'est ça. C'est ça. Alors attends, je vais juste regarder le niveau des armes. Non, c'est un seul level. Je vais mettre la mode. Moi j'ai regardé la vidéo. 60. 4000, il est où? Ah, il est là, le Scarache. Le M1, c'est celui que j'ai. Ah, c'est un Scarache militaire. Ça fait chier, ça. C'est un sniper. Ça m'intéresse pas. Et le M870. Ah, par contre, le Fal. Je vais l'équiper. Hein. 7300. On va l'équiper tout de suite, le Fal. Hein. Je te le dis tout de suite. Hop là. Voilà, on va tout enlever à lui. Et on va aller équiper ça sur le Fal. Hop là. 7300 d'épée, je vais faire le café avec là. Non, voilà, c'est sûr. On va mettre un petit viseur de snipe sur le pont. Hop, chargeur à libération rapide. Viseur, une ACOG x4. Et skin, j'ai rien. Yep, ça c'est cool. Putain, 8000 d'épée. Ça le monte à 8000 d'épée. Mon M1 à côté, c'est caca. C'est caca boudin à côté. Alors attends, d'ailleurs, le 1, je veux que ce soit lui. Voilà, et 2, le M1. Qu'est-ce que j'ai chopé? Rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Rien de ouf. Rien de oufissime. Non. Si ça, c'est pas mal. Hop, ça on verra après, des modes que de la merde. Bon, c'est cool. Alors, la suite, c'est par là. Sympa d'augmenter, d'un coup trouver une meilleure arme, un meilleur truc, vouloir trouver ce que tu veux, etc. C'est plutôt sympa, moi j'aime bien. Bien le principe, et on va pouvoir, je pourrais monter aussi mes de ce fait là. Pour bon napalm, bande d'enfoiré. Tu t'approches trop près et je pime. Alors, Babel qui nous dit: je vais vous donner mon vrai avis. Donc, je trouve le jeu beau et fluide. Ensuite, le problème de l'IA dégueulasse nique le bashing de mob et rend le tout redondant pour l'instant, je trouve.
Moi j'ai envie de dire comme dans un RPG, j'attends de voir l'IA au level en fait. Ouais, c'est ça. Diablo, l'IA, c'est du bashing, hein, une, que ça. Hein. Après, c'est c'est comme les personnes vont passer des heures sur Diablo, et sinon, je peux tirer plus de 3 balles ou. Oh putain, c'est 3 balles par 3 balles mon arme. 3 balles, tu recharges. C'est quoi, un fal? Ouais, c'est un fal. Ouais, c'est pour ça. En gros, j'ai 3 balles. Tu sais, c'est du semi-auto, je sais pas si tu peux changer ça, mais. Je suis pas sûr. Mais en fait, à partir du moment où tu tires, ça fait 3 balles, ok. Toum, 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 toum. Bon, ce serait bien qu'on arrive à finir le... Non, Alex! Oui, bonjour! Ta-da. C'est pourquoi? Aïe! J'ai mal, pompier, c'est un pompier! J'ai un peu mal. Je peux avoir un suppo? Vous allez où? Musa, il a activé la zone. Bon? Mais. T'es en train dans un bâtiment, hein? Oh là là! Oui, ils font mal! J'ai un coup bête. Je me suis dit que je range mon corps avant de mourir. Je range mon corps. Je le mets à son endroit. Moi je vais jouer sniper. Donc c'est ça qu'on devait faire, le checkpoint. Allez, c'est parti. Active le point, vas-y. Remets le courant. Mise à jour de la base virin. Avast détecté. Ils ont de la vie, hein. Un peu, ouais. Que je leur mets du 8000 ou 3 balles pour les tuer. Et un petit Marcel à la mode par terre. Un petit Marcel à la mode. À la mode de chez quoi? De chez toi ou. Je sais pas. Ah là, savez-vous planter des choux? Oh, on est là, panique pas. Panique j'ai pas. J'ai ramassé le Marcel. T'as ramassé Marcel? Tu nous montreras à quoi il ressemble, Marcel. À la mode de chez nous, savez-vous planter Marcel? Il est à gauche là. Ah, ça arrive par derrière. I'm sorry. Bah, je sais pas, j'hésite. Parce que là, ils ont pas l'air de vouloir qu'on se protège. C'est juste ça qui parle. Bah oui. Elle met du loot. Violet.
Il se rebarre. Tapez-le. J'ai chopé un sac en céramique. Tu penses que c'est comme les couteaux? Si quelqu'un le touche, il brûle. Et il coupe. Il se brûle. Il brûle. What the fuck? Il brûle. Tu prends feu, mon pote. Bah mon pote, moi j'ai des couteaux spéciaux. Hein. Ok. Ça pue la viande dès qu'il la découpe. Ouais, c'est ça. Dès qu'il la découpe, ça pue la viande. J'ai chopé un sac à dos en céramique, mon gars. Mais c'est ça, un sac à dos en céramique. Par contre, il m'augmente ma puissance de compétence, un truc de fou. Je veux pas pour l'instant. Pas c'est pour fragile la céramique. Hein. Bah, c'est trop fragile, c'est pour ça que je vais pas la prendre. Je trouve que c'est beaucoup trop fragile à mon goût la céramique. À quoi il ressemble le petit pantalon? Putain, mais j'ai 20 000 armes bleues. J'ai un Scarache à 4008, un fusil à pompe que je vais mettre de côté à 5002. Fais voir, alors c'est quoi ton Marcel? Montre-nous ton Marcel Magri. Alors, pas grand chose. Je sais pas, il cherche son Marcel. Hein. Cherchez pas, enfin, quittez pas plutôt. Il cherche le Marcel. Ça, je l'enlève pour pas que vous voyez. Inventaire, c'est quoi que j'ai pas vu? Ah, une arme tout pourrave. Ouais, non, mais laisse-moi tranquille. Moi, j'ai un bonnet à pompons. On commence à lutter beaucoup plus de bleu là. Ouais. Ah, oui, bonnet à pompons, si tu veux. Ouais, bon, bah, venez, on avance. Hein. On fera la Fashion Week plus tard. Hein, quoi? Non, parce que là, je sens que vous êtes parti en Fashion Week et tout. Regardez, Magrétor est habillé, Marcel, bonnet à pompons. T'as vu? J'ai mis mon bonnet à pompons. Dommage, y'a pas les petites grelottes sur le bonnet à pompons. Exactement. Ouais, Merci, par là. Ça, il fallait tourner. Quand tu cours, ça fait que mini. J'ai oublié de tourner. Level 18, on est bien. Surprise! T'as, à chaque fois que je leur tire dessus, j'ai l'impression que c'est une exécution là. Sur des mecs comme ça, il n'y a pas trop de difficultés. Oh, oui, ils sont tellement... Déjà, le temps qu'ils se rendent compte qu'on les attaque. Oh, je vais trouver un pantalon du baroudeur, Michel. Il y a un téléphone. Oui, casquette militaire. Il y a un téléphone. Là où, là où je suis. Du. Ça arrive. Hein. Ils sont tous partis chercher le collectable alors qu'il y a le truc à défendre. Hein, quoi? Bah, en fait, dans les deals d'armes, après, faut extraire la caisse. Champion! Oh, il était en PLS le mec là, il s'est mis contre sa caisse, Magritor il l'a terminé en mode hey! J'ai l'impression que dans ces zones là, c'est que du bleu qui loot quasiment. Non, quand même pas. Ça dépend ton niveau, je pense. Mano, mano! Ça fait vraiment chelou là comme ça. Tu sais, tu es tous dans un coin avec lui. Bah, tu veux pas savoir. Comment tu fais pour fermer une porte? Ah, on est resté là. Comment tu fais pour. Bah, je croyais qu'il y avait un succès de fermer les portes de voiture. Tu mets un coup de pompe dedans. Marche pas. On est censé fermer plusieurs. Dégagez, genre il ranime quelqu'un. Dégagez! Dégagez! Ah, mais il est mort, hein. C'est baisé. Hein. Je le sens en bas, je le sens pas bien. Ah, le coffre il est là-bas. Il est où le coffre? Magritor, c'est comme un chien, mais un coffre. Il renifle les coffres. Ah, il est là. Pas les truffes, mais les coffres. Ah, un autre RPG. Un buggy. C'est dingue. Mais laissez-moi sortir de là. Allez, mission d'après, on aura bientôt fini Clinton. De ce fait là, vous l'avez fait hier soir, cette nuit, Clinton. C'est bip.
Ouais. Oui, non. Pour ça, je marche toujours au milieu des routes, moi. Ah, c'est... elle est belle, la déco, ici. Mmh. Ouais, des tas de poubelles. Tu sens que chez Clinton, il y a eu budget, hein. Il y a eu budget. Je crois qu'ils étaient en train de ramasser les poubelles et ils ont pas eu le temps de finir. Mmh. Après, il y a eu le Black Friday, ça a été la merde. Notre équipement a un faible niveau. Du coup, est-ce que tu crois qu'ils ont renommé le quartier en Poubelle Clinton? Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Tu m'expliques pourquoi? Salut, tu... à demain. Voilà, bisous, merci. C'est tout pour moi. Ah, on change du coup, on retourne à Times Square. Non, non, mais on fait juste le tour. On emprunte juste la rue. Ouais, c'est juste pour revenir dans Clinton, on passe par Times Square. Merci. C'est comme si on veut aller à Marseille, on passe par Paris. Bah, si tu veux, tu peux. Bah oui. Ça dépend d'où tu viens. Je vous attends, faut qu'on intercepte un réseau électrique. Là, on finit, on a combien de missions encore? On intercepte le courant. Oui. Il va nous rester... il va nous rester quoi, ça? Une rencontre... Ouais, deux rencontres, deux missions secondaires. C'est bon, Musa, il a intercepté déjà. Putain, Musa, il a intercepté le courant. Eh, hey, rends le courant. Rends le courant aux abonnés. Ouais, rends le courant aux abonnés, nom de Dieu. Ouais, ah bah, ah, bah voilà, bah non, c'est pas par là, bonjour. Ah, les thugs. Bonjour, vous êtes où? On s'est perdu. Je sais pas, je le sens bien par là. C'est pas fini de peindre ici, ici, Robot. Putain, mettez la musique de Bénil, par-dessus, on sera parfait. Ta 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 la la la. Non, ça, c'est celui du cirque Pinder. Ah, y'a. Je suis pas d'accord, c'est la même. L'autre il arrive. Oro, il a passé une porte, y'a un mec qui essaye de lui faire un bisou avec un gun. Ah, avec une batte de baseball. Sniper. Ouais, le c'est la mission. La dernière. Mais direct, si vous voulez me faire des choses, monsieur. Je vais pas donner mon consentement, moi. Top 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 là. Ouais, tu m'as poussé. Ouais, pour la peine. Ah, maintenant faut rétablir le courant. Putain, faut vraiment tout faire dans ce merdier. En fait, le bouclier il a l'air bugué, vous pouvez me pousser quand il déconne. C'est par où on monte? Bah, je me demande s'il faut pas. Là. Vers la courte échelle. Non. Ah oui, il faut descendre pour remonter. Oh le merdier. Fais gaffe, c'est un timer. Ouais, c'est pour ça qu'on a embrayé. On est là. Bon, pas trop, je peux dire. Faut pas me tuer. Oh putain, faites pas comme nous, faites pas comme nous. On a merdé. On arrive. Enfin, je suis même pas sûr si on a peut-être pas qu'on va faire le tour, nous, si vous arrivez avant. Si, si, il faudra aller chercher de loot. Ah oui. Putain. Non, y'a plus de. On nous retrouve. Team Rocket. Il va être là où le loot? Attends, je suis glitché. Comment je sors de là? Au secours. Aidez-moi. Mais toi, les soins derrière. Ah, c'est bon là. Ah, je suis quelqu'un. Et le coffre, il est où? Prochain chargement d'ordures. Il pourra faire. Il y avait pas de coffre. Je sais, c'est une musique qui est tout près. Ouais, je te dis, c'est aussi. Alors, le prochain, on va remonter. On a une rencontre à faire là. Il va y avoir la pub, j'ai oublié la pub. Bah écoutez, hop, je vais suivre les copains, ils vont faire la rencontre. Pendant ce temps-là, moi je vais faire la pub. 5 minutes de pub, on se retrouve juste après, mesdames et messieurs. Vous ne quittez pas, don't panic. Monique, on est ensemble jusqu'à 15h. On avance tranquillement sur The Division, on est level 18. Ça avance en 2 jours de stream. Oui. Après, on va pouvoir aller jouer la DZ, le HL, les armes, le swag, le RP, etc., etc. Voilà, recherche de virus. Bah, les gars, je vous laisse faire les recherches de virus pendant ce temps-là. Moi, je fais la pub. Vous ne quittez pas, mesdames et messieurs. On revient à tout de suite. Il est 14h31 et vous regardez Gaming Life, la petite jeuxvideo.com. Je suis Click, vous êtes les viewers et nous sommes ensemble jusqu'à 15h sur The Division, compagnie de Musareno, Ro et Maguito. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont chauds. Qui c'est qui tire sur quoi là? Je suis même pas là. Attendez, c'est méchant. J'ai perdu toutes mes fenêtres. Ah la connerie. Attendez. Ah ça y est, j'ai tout pété. Bon, vous avez mis devant les ennemis. Hop là, hop là. Tac, tac, tac. Putain, pourquoi j'ai plus mes fenêtres? Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui ce merdier? Vous entendez des bruits, mais vous voyez pas le jeu. Ah, c'est la merde. Ah, c'est la merde. Hop là. Ah, c'est bon, je suis là. Quoi, vous avez parlé à l'officier direct? Non, non, ça a déclenché. Non, enfin, quelqu'un parle à l'officier. Non, non.
Je suis caché derrière un arbre. La 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 la. Pourquoi c'est pas coureur avec une valise à la main? Trop lourd. Elle est lourde la valise. PRP, c'est pas grave. Je crois que j'ai des ennemis en visuel. Ah, il y avait des ennemis en visuel. Pom. C'est bon, on a fini. Ils veulent pas nous lâcher. Mais si, on a fini, Didier. Il y a un ordinateur à pas loin des poubelles. Ouais, il y a un ordinateur. Il est où? Là-bas. Et après, si on continue la route, il y a un dossier d'ailleurs. Mais t'es quoi? Pourquoi on est là? C'est pas là qu'on doit aller. J'ai trouvé. Il est où l'ordi? Pas loin des poubelles. Ah oui, bah, c'est là où je voulais aller en fait, ok d'accord. Je suis allé me réapprovisionner. Ça, il va nous rester une mission tout droit. Ça, ça va, arrête de tirer dessus, il va plus bien fonctionner après. Complètement con, pauvre garçon. Alors, hop, la dernière mission de la zone. Elle est ici, et on sera à 18, on a même de l'avance par rapport à la zone, je crois. C'est une zone quoi, 15-18 13-15. 13-15 15-18, c'est sûr, j'y vais, c'est... Ouais, personne ne veut se battre avec eux. Personne ne se battra jamais avec le 15-18. Non, y'a pas de zone 15-18, impossible. Ils font pas de zone 15-18. Ils sont pas fous, les mecs. Ça a l'air d'être là, non? Je sais pas, je suis passé par un truc, là. C'est 18. Ah bah, j'ai trouvé la zone. Pas de fin. J'ai peut-être déclenché la zone. T'as pas ouvert les stacks, mais... Oh là, oh là, oh là là, oh là là. C'est la guerre, hein. Allez, où va être la deuxième zone? Vous êtes déjà en hauteur au cas où. Là-bas, derrière. Putain. Tu cours avec une valise. C'est l'argent, moi. C'est l'argent des abonnés. C'est la guerre là, moi je te le dis. Hein. Bon, ça commence à être un peu plus sport, c'est cool ça. J'aime bien quand ça devient sport comme ça. Allez, balise là-bas, on y va. En PVP, on tombe aussi contre des noobs où c'est équilibré. Mais là, c'est pas équilibré en fait. À la base, la zone PVP, c'est une zone libre où t'as des missions, etc. à faire. Après, si tu décides que d'attaquer les gens. Toute la zone PVP peut te déglinguer en fait. Si t'es PK par exemple. Principe des PK. Attention Magritor, ça va faire boum. Bah voilà. Et donc là normalement on va pouvoir se TP, on a fini la zone. Rouler le level up. C'est ça, j'ai fini la zone 14-15. Hop. T'es passé combien Ro? 18, je suis plus bas level. Ah oui, je suis passé 17. Dire que j'étais niveau 9 ce matin.
Le plus gros problème du PVP, si tu tombes sur des mecs en groupe, t'es mort. Non, tu peux les esquiver. Tu peux les esquiver. Hop là, je remets mission. Hein. Pensez à aller rendre vos missions à la planque. Vous pouvez vous TP dans les planques. Donc. Tac, et après on va se TP à la maison. Non, 22. Voilà. Tac, je suis quasiment 19 là. On va se réapprovisionner et on va aller à la planque. C'est... qu'est-ce que je fais? Je vais à la planque et puis je fais tout ce que j'ai à faire là-bas. C'est bien. Donc en gros, toute cette zone-là, c'est fait. Voilà. Toute cette zone du bas, là, j'ai fait jusqu'à inclus ici. Et on attaquera maintenant la zone Flatiron District 15-16. Moi, je m'en fous. Je vais faire la 15-16 d'abord avant de faire la 16-18. Bonjour. Je m'en fous. Bonjour, bonjour. Ah, excusez-moi. On avait dit qu'on disait bonjour dans le jeu. Bonjour. Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Bon, hello, Krushka. How are you? Excuse-moi, Krushka. Magritor, au coin, là-bas. Dépêche-toi, va dans le coin. Phil, je veux plus t'entendre. Dans le coin. Allez. Hello, hello Aqua Mineral. I love Aqua Mineral. How are you? Je l'ai bénéch. Bonjour. Hola. Comment on dit bonjour en chinois? Allez, gâteau. C'est en japonais qu'on... Non, ça, c'est merci en japonais. Ouais, mais c'est quand tu veux des petits gâteaux. Allez, gâteau. Je me demande s'il a pas des gâteaux en rab. Allez, gâteau. Il a pas de gâteau, apparemment. C'est baisé, les gens veulent pas... C'est niao. Niao, niao, niao. Niao. Les gens veulent pas communiquer avec moi. Niao. On dirait un chat à chaque fois. Hein. Niao. Oh, mais y a un petit chat par là. Niao, niao. Qu'est-ce que... Bon, d'accord, mais personne veut discuter avec nous, donc... Ton accent chinois est encore pire que ton accent anglais. Ah bah oui, mais c'est fait exprès. Alors, on fera, oui, j'irai cette zone-là, faire Flaron District, après... en fait, j'aurai toujours du retard, j'ai l'impression. Mais je m'en fous. Bon, je m'en branle. Hop. T'en es dans quelle zone, toi? Mais ça, t'as fait toutes les zones comme j'ai fait un peu moi ou pas? Dans l'ordre? Non, en fait, avec Will, on a beaucoup fait les collectables. Ah oui. Du coup... Ayao, Ohio, 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 mais ça c'est aux États-Unis, Ohio. Le chat, il me dit, on dit Ohio, mais Ohio. Non, Ohio, c'est en japonais. Ah, Ohio, Ohio, oh, Ohio. J'ai l'impression que tu vas aller aux toilettes quand tu fais ça. Ohio. Konnichiwa, c'est japonais aussi. Hartung bicyclette en allemand, attention au vélo. Ça peut servir, on sait pas. T'es dans la rue comme ça, t'as un mec il est à pied, un vélo qui lui fonce, Hartung bicyclette. Et le mec il sait, attention vélo, quoi, tu vois. Et là, le mec il dit, oh. Après il te parle en allemand, tu comprends rien, mais au moins t'as sauvé une vie, tu sais dire attention vélo. Alors par contre, si c'est un bus qui lui fonce dessus, tu fais pareil, Hartung bicyclette. Le mec il se retourne pour te regarder, il voit pas de vélo, il se fait écraser par le bus. La connerie, tu vois. Bon, l'aile, ah bah oui. Mes deux ailes, ravitaillement et médecin, ça va chier, j'ai plein de points. J'ai I have many point. Konnichiwa, ça me propose. Konnichiwa. Ça veut dire quoi, Konnichiwa? Konnichiwa. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, Konnichiwa? Konnichiwa, ça veut rien dire. C'est Konnichiwa. Ah oui, bah, oh, ah, et hop là, le, monsieur, j'ai rien. Konnichiwa, comme ça? Konnichiwa, c'est dans le taxi. Konnichiwa. 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 Quand il dit con comme Vibillon. Nichon. Nichon comme Nichon. Et waouh, wow, comme waouh. Alors, labo de virologie. Allez, on l'achète. De toute façon, il nous faut ce labo. Hein. 80% ici. On va monter voir Jackie Moumout, le roi de la moutte. Bah, tu vas tout vendre. T'as rien pour moi. Si je viens et que t'as rien pour moi, je te fous dehors. Hein. Je te le dis. On teste. Oh putain, les trucs pour moi. Ah, il me remet le sac à dos. Ah oui, tout ce que t'as vendu, tu peux aller rechercher, d'accord. Ah bon? Bah ouais, il me remet le sac à dos de la garde nationale, c'est-à-dire que si tu le vends, en fait, le vends zéro. C'est gratuit. Sac à dos de la garde nationale, le défi ah, oui, le P416. Au pire, tu peux le racheter dans... Mais si tu le dais. Tu peux le racheter dans vendeur pas. De matos. Et si tu peux le racheter au vendeur de matos. Oui, mais c'est ce que je viens de te dire, en fait, je parle du vendeur de matos, là. Non, mais le vendeur... de matos. Ah oui, mais d'accord, vous êtes là-bas. Nous on est rentré, on va. Alors, salle de contrôle. D'accord. Communication, matériel dangereux augmente de 1 emplacement de l'inventaire de la Dark Zone. Là-bas. Ça c'est intéressant. Générateur. Bonus soda augmente l'effet de consommation, ça je m'en fous. Je regarde les bonus. Ah, mode tourelle. Ok, purification des eaux, on prend tout de suite. Non, il n'y a pas de moutes. Non, il n'y a pas de moutes, les gars. Non, désolé. Les moutes, ils avaient disparu. Je suis vraiment désolé, il n'y a pas de moutes. Et les moutes ont déjà décédé dans le Black Friday. Tous. Barre énergétique à croix, et ça c'était quoi? Talent, expert en démolition. Pourquoi c'est pas le chat là? Pourquoi? Bah FPS, truc en chinois, FPS, rep, FPS.
Ah oui, dans le chat du jeu, chercher dans le chat du live, moi. Mais pourquoi qu'est-ce que je fais, je dez? Ouais, je vais dez. En direct, ils font un giveaway dans le jeu, quoi. Non, mais y a pas de commande dans le truc, ils ont... Non, je sais pas ce que... C'est tout dans un chat. On va dez un peu, vu que j'ai vendu tout à l'heure. Je sais pas pourquoi je suis bloqué à 90% du genre de vente. Je suis puni devant la bas. T'as voulu troll le jeu, le jeu t'a troll, quoi. Ex perso, j'ai toujours pas déverrouillé l'aile sécurité. Hein. C'est vrai, t'as pas déverrouillé l'aile sécurité? Non. Ah mais lol, moi j'ai déverrouillé. Elle donne de l'XP en plus. Mais ça c'était son arme. Notre perso. Mais là t'as changé de perso ou pas là? Bah j'ai le perso qu'on avait commencé hier. Ah oui d'accord. Ça, ça m'augmenterait, puis ça me baisserait. Ça m'augmenterait quand même ma compétence. Alors c'est ça que je sais pas. Ma puissance de la compétence c'est quoi? Par exemple, c'est ça fait la puissance de mon arme ou pas? De ma mitrailleuse? De ta mitraillette, de tes soins, de toutes tes compétences en fait. Tout ce que tu lances avec ouais. AI. Je vais utiliser ça. De toute façon, c'est quoi le compteur sous le nombre de balles qui reste? C'est le chargeur de la seconde arme. Où est-ce que vous étiez fourré? Le mec il me demande où est-ce que j'étais fourré. Et je me tâte à lui répondre. Au chocolat. Ouais, je sais pas si tu vas lui répondre ça, mais. Ah non, mais qu'est-ce qu'il me fait là-haut? Oh oh oh, mais non, je veux pas ça comme arme. T'as craqué ou quoi, Maurice? C'est ça là, mon arme? Oh. Moi j'ai remis le chauffage, ils sont contents du coup. Allez, ça. 4600! Oh, prends-tu là? C'est plus un pistolet, c'est un bazooka le truc. Message aux usagers, n'oubliez pas que l'hygiène personnelle est importante. Tu m'étonnes. Si tu sens le fennec et qu'on a l'impression que t'es crasseux, oui, il va y avoir un problème, quoi. Tiens, j'ai débloqué ça, c'est l'impulsion, station de soutien. Je sais pas ce que c'est que la station de soutien, mais je l'ai débloqué. T'as lancé. Ah, c'est bon. Croqué, ça. La station de soutien, tu la poses, je crois, et. Alors attends, où est-ce que je choisis? Ah, ok, c'est là-dedans, regardez. Je peux choisir donc le mode taser à ma tourelle, la tourelle lance-flamme ou la tourelle capteur active. J'ai pris un mode... Ah c'est pas mal, regarde, la tourelle inflige plus de dégâts et les cibles... Ouais, je vais prendre ça. Et en lance collante, vous voyez, j'ai la bombe collante explosive, flashbang ou mine de proximité. Explosif puissant. Bah la flash, je sais pas... Si, c'est bien dans la DZ. Il y a un mode de l'aile sécurité qui débloque. Enfin, qui monte tous les portables, tous les agents, tous les. Ouais, ouais quand t'as fini une zone. C'est dans quoi? Dans l'aile de sécurité? C'est lequel d'ailleurs? Tout en bas, je crois. C'est une des premières que t'as déverrouillé. Cynophile, je l'ai pas encore faite et je vais la faire tout de suite. Hop là. Tac, je suis à 60%. Alors, si on fait le point. Dans mes ailes, ça avance bien, c'est normal, je suis à 80% de l'aile médicale, 60% de la techno et 60% de l'aile de sécu. 8 sur 10, 6 sur 10, 6 sur 10, c'est pas mal, on a bien avancé. Restauration de la base à 66%. Ah, ok, écho découvert, et là il m'en met plein de ce fait là, oh le merdier. Oh le merdier. Ouais, tu vois, un gros floude. Ah, oui, bah, ah le floude tous les bouquins. Oh la floudation. Tous les téléphones. Ah ça m'a tout mis. Ah ça m'a tout mis dans l'ordre, dans le désordre d'un tiercé, un quinté, un quinté plus. Ah bah là... Alors, petite carte des familles, c'est quoi que j'ai en faire? Ça, c'est ma mitraillette. Vous voyez, en ayant activé ça, il me donne tous les consommables que j'ai pas fait. Vous voyez, ça, c'est tout ce que j'ai pas fait. Putain, il y a un paquet de consommables que j'ai foiré. Hein. Oh ah ouais. Ah ouais, putain, t'as intérêt à vouloir les faire. Hein. Non, c'est pas des consommables, mais des collectables. Enfin, des collectables, ouais. Alors, déjà, s'il te plaît. Ouais. Hein, si t'as envie de consommer un ordinateur. Non, tu un peux consommer un navigateur. Un ordinateur aussi de envie. Tu peux le faire. Ouais. Tu sais quoi, je vais me diriger vers ceci. C'est parti, mon kiki, on va regarder le chat un petit peu, voir ce que vous racontez. Tu vas en marchant ou... Moi, j'y vais en marchant, tranquillou. J'espère. Putain, mon personnage, il va être en PLS jusqu'en 2020. Tellement il y a de... Il est en train de tout découvrir, Marcel, là. Là, il est en train de t'expliquer que t'as foiré toute ta vie. T'as tout loupé.
Il fait jour en plus. Pom 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 pom. Non, je vais jusqu'au nouveau. Tu sais, mon nouveau point là. Mexique. Oh, nouveau... oh putain, j'en ai marre d'eux. En fait, c'est un peu. Alors, je sais pas, je l'ai pas fait. Musa, ça dit que c'est un peu comme le dernier MGS. Attends. Oula. Non, c'est pas du tout comme le dernier Metal Gear. Non, mais ça parle dans le sens où tu améliores ta base. Ah, la Mother Base. Bah, la Mother Base, c'est comme pas grand chose à améliorer en fait. Oui, oui, c'est comme dans Diablo quand t'améliores tes vendeurs. C'est vraiment la base en fait, de toute façon, puisque les missions, la base elle serait améliorée quand t'es quasiment à fond. Parce que après, tu retrouves sur ta carte, si tu regardes bien, tu retrouves quasiment une mission par zone. C'est le même principe. Après. Donc voilà, donc t'avances petit à petit. Pom pom, pom, je suis à 600 mètres, je suis bien, ça me permet de visiter des trucs sympas. Mais sinon, ouais, c'est un peu le même délire. Ouais, ouais. En fait, plus tu vas améliorer des. En gros les ailes et plus t'auras accès à des compétences et du matos. Par contre l'idée est sympa de des zones avec des niveaux etc. Bon, je viens de passer devant Maurice. Alors c'est l'entrée de la DZ là, hein, qui est en quarantaine totale. On se fera pas de DZ aujourd'hui. Attends, une mission secondaire. Enfin, ce soir en fait ça. Une mission secondaire DZ. Ouais, tu l'as débloqué. Normalement, tu l'as déjà. J'ai peut-être pas fait gaffe. Une mission secondaire qui dit aller dans la DZ. Allez, tu rentres, tu sors. On est à Tender Loin. Zone 9-12. On est 18. Ça avance bien. Je pensais pas qu'on prendrait du level aussi rapidement dans le jeu. Et en même temps, je trouve qu'on faut farmer un peu hein, pour le faire. Donc c'est faisable. Je sais pas combien d'heures de jeu je suis. Je pourrais vous dire ça en regardant Uplay. Bah ouais, la dernière mise à jour j'étais à 7h22. Non, tu l'auras pour Donc 7, 8, 9, 10, on doit être à une dizaine d'heures de jeu. Une dizaine d'heures de jeu level 18. Sachant qu'il faut monter jusqu'à 30. Que c'est exponentiel aussi. Ce stuff. Que faut ce stuff, faire de la DZ, les 50 levels de DZ. Ouais, c'est un jeu. Je dis comme ça, là, tel quel, t'as au moins une trentaine d'heures devant toi de jeu sympa. Au moins. Après, je sais pas si c'est plus ou moins, etc. Un peu plus. Moi, je dirais même une cinquantaine d'heures de jeu facile, plus les contenus, plus. Juste le solo, ouais, peut-être une grosse trentaine. Ouais, ça, je parle sur le solo, après, il y a la DZ, etc. Mais. Est-ce qu'il y a plusieurs zones en quarantaine? Alors, dans les ailes, je suis pas encore allé, mais de mémoire, normalement, il devrait y avoir le même principe de zone. Il y a 6 zones. Il y a des zones de level, et avec des mobs de plus en plus difficiles, en fait. Parce que dans la DZ, t'as des mobs aussi. Et donc, en fait, voilà, si on regarde la DZ. Voilà, donc là il y a la zone DZ niveau 14-16. Puis 15-16. Ouais, parce que c'est ma DZ à moi là. C'est ta DZ à toi. 16-18, ouais, qui correspond à mon level. Puis 22-24. Et donc en fait, je pourrais faire du 29-30 là-haut. C'est, la DZ en fait correspond à ton level. Faut regarder le, non, le niveau en haut. Pas la section joueur. Ouais, celui qui est ouais, c'est ce que je te dis, 14-16, 15-16, 16-18. Au début, ça montrait doucement. Oui, oui. Et après, 22-24, 29-30. Et donc, pour l'instant, moi, je suis compté dans une DZ 15-19. Voilà. Elle est où, la baraque? Putain, je suis passé devant ou quoi? Ouais. Moi, je suis toujours en 14, en fait. 15-19? Ouais, je suis passé devant ma grille, demi-tour. Elle est là, la baraque, je crois. Ouais, c'est 20-24 et ouais, donc 25-29. Mais non, mais là-bas, qui c'est qui m'a changé le point, nom de Dieu? Pour, c'est quoi ce point-là, checkpoint? Il est mis sur la DZ. Je m'en fous. Ah oui, c'est moi qui me suis planté, je suis débile. Moi j'avais mis le point sur toi, je suis débile. Moi j'avais mis un point sur toi pour te suivre parce que je savais pas où t'es. Il faut aller où du coup? Bah, c'est bon, je l'ai mis. Yo, l'ai mis, yo, l'ai mis. Le point derrière, c'est la DZ. Non, non, c'est bon, là je l'ai remis. Je vais activer l'émission de la zone dans notre joli endroit. Allons voir le niveau 2. De décoration. Oh là là, mais il y a des guirlandes! Nom de Dieu! Mais tu vois pas les câbles de courant? Le plancher. Eh mon gars, on peut repartir en vélo là. Un sapin il loue des vélos, tu penses? Les gars, on a trouvé un stand de Vélib. Ouais. En fait, il te loue des vélos. Mais tu peux pas utiliser. C'est bon, tout le monde a activé ou tout pas? En haut, je pense. Ah, il est tout en haut le tableau. Tout en haut. Petit billard, c'est actif pour tout le monde en fait. T'es passé devant, gros. T'imagines, t'as un mec qui dort, pour l'instant là, t'as trois connards qui jouent au billard. En plus, t'es baisé quand tu veux tirer à gauche. T'es obligé de jouer que à droite. Tu te mets sur la barrière. Tu te mets sur. Tu veux tirer.
Bah si, tu veux jouer au billard. Hein. Celui qui va être à gauche là, regarde. Ah oui, derrière con, ah oui, quoi. Non, mais ils sont bêtes. Tu décales, style toi, tu à deux, tu lèves un billard tous les deux, tous les matins, ouais, tout va bien. Oui, bah oui. Tu sais quel poids ça fait, un billard. C'est lourd, hein. Oui, je sais, c'est très lourd. Mais là, il est. Oh, 2-3 ouais, c'est un billard e-sport, c'est pour ça que ça se lève facilement. T'as une taille de billard, s'il te plaît. Il est petit, le gars. C'est vrai que les vieux câbles électriques, c'est une zone safe. Mais ah, pourquoi nos zones safe d'ailleurs, elles se font pas attaquer? Parce qu'elles sont cramables au milieu de la figure, hein. T'as des câbles électriques qui courent sur la rue. Viens là. Viens, on joue au foot. Vas-y, joue au foot. Joue au foot. Il est là le ballon, là. Bon, on va faire tiens, non, moi, la rencontre au début. Ah, mince, mais il est là le ballon. Il y a une rencontre. Il y avait... Ah, tiens, madame est dans le besoin. Madame est dans le besoin. Je te donne une barre énergétique, tu m'offres de l'XP. Ah, tu vois, nous on joue au foot, on a un ballon fait. Chacun un ballon différent, que du bonheur. Bon, les émissions, on se retrouvera ce soir à 21h, 21h minuit sur ma chaîne perso, GL en score d'Exclic. On sera au programme sur de la DZ avec Oro, Musa et Bob le Gob. On va monter un peu nos levels de DZ. Ah oh, putain, faut aller sous la terre. Ah oh, putain, c'est celle que. Sous la. Non. Moi je connais sous l'océan. Il y a les level 19 du coup. De quoi? Ah, t'as pris le. Bah, en fait, c'est 15-19, la zone 15-19, DZ. Ouais. Ah, la zone. Mais on n'est pas dans la DZ là. De quoi? Non, mais pour ce soir. Ah oui, d'accord. Donc, où on est, faut qu'on soit avant 20, quoi. Faut pas que je joue, quoi. Bah, ça dépend. Bah, sinon, après, ce sera 24. Ouais, bon, on verra à ce moment-là. Bon, j'attends que les copains arrivent. Quelle heure? Il est 53, on a le temps d'attaquer. T'es descendu? Ouais, je suis descendu, c'est des trucs de pression là. Ah oui. Moi je suis à 10 mois. Alexis bat déjà. J'ai dit c'est le forum 15-18 là, DZ. 15-18 c'est un forum. C'est un forum. Oui, oui, c'est ce que ça dit. Non, mais c'est ce que ça dit sur le chat. YOLO! Ça dit c'est le forum 15-18. C'est à peu près ça. C'est pareil que la casquette. Une casquette. Bon, à partir du moment où on va avoir ouvert le truc, rappelez-vous, hein, faut toujours activer la pression. La pression, la pression, la pression. C'est bon, t'as activé la pression. Faut pressuriser. Quelqu'un monte? Il ajoute. J'ai pris feu. Il me brûle. Je vais t'aider, frère. Je suis là. Bon, mesdames et messieurs, c'est l'heure. Je vous laisse en compagnie de Karaté qui arrive d'ici quelques instants. Nous, on se retrouve ou ce soir pour de la spéciale DZ avec Bob le Gob, Musaren et Oro. Ou alors demain, ici même, avec les copains, avec pour objectif de continuer le PVE. On continue le PVE. On fera un peu de DZ ce soir, mais... Sinon, c'est principalement... Hop là! PV! Oh, ça pique ça. Ça pique un peu, madame. Par contre, là, ma tourelle, elle vous les marque, en fait, les mecs. Ce qui est pratique. Bah, c'est ce que je lui ai donné. Elle est censée marquer les gens. Ouais, certainement. Ouais, ça doit être ça. Bon, allez, bisous! Bon après-midi! Au revoir! Dites au revoir, l'équipe! Au revoir, l'équipe.